Ouais, il écoute. Il écoute. Ouais. Alors, ben, j'ai plusieurs choses, les statistiques, mais ça, bon, a priori, j'ai plus le droit de les faire. Il a dit que la semaine dernière, j'étais au chômage vis-à-vis de ça. Donc, j'ai été chercher un petit peu sur Internet. J'ai trouvé des petits trucs, donc, sur GG. J'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Donc, l'Office de protection des thons, des morues et des cachalots a l'honneur de décerner à Gérard de Suresne son brevet d'éleveur de cachalots. En effet, Gérard de Suresne a... Mais méchant, elle est gentille en plus, elle est là, la pauvre, elle écoute, elle va être dégoûtée. Et en plus, elle est bien, elle est vraiment bien, c'est une belle demoiselle. Sérieux? Je sais pas comment il a fait Gérard, parce que franchement, c'est une belle fille, hein, c'est une belle fille. Non, c'est une belle... Ah, si. Oh là là. Ah si, peut-être qu'on l'entendra. C'est du gâchis, hein. Peut-être qu'on va entendre le son de sa voix. Ah bah ça, tu demanderas à Gérard tout à l'heure. Hein. Donc continue quand même ton texte. Mais... Bon, bah, je continue quand même. En effet, Gérard de Suresne a recueilli deux cachalots femelles en moins de 2 ans. Elle les a pris sous son aile et sa transpiration, pardon. Gérard de Suresne sera donc élevé au rang de chevalier baleinier pour avoir essayé de reproduire les deux bestiaux. Et j'ai trouvé, donc ça c'était sur le site www.ggckk.fr. Ouais. Et j'ai aussi trouvé donc un petit site qui dirait que le papa de Sandy ferait, je suis désolé de parler d'elle si elle est là-haut, hein, ferait tourner une pétition pour qu'elle rentre à la maison. Ah, ça à mon avis son père, peut-être qu'il le ferait, mais à mon avis notre ami Gérard ne va pas lâcher l'affaire maintenant qu'il la tient, il va bien la tenir. Hein. Ouais, mais enfin faut quand même qu'il pense un peu à son vieux père. Eh ben on va appeler sans plus tarder notre ami Gégé qui ne doit pas être loin. Ben, ça va, Connie. Gégé, t'es là? Allô? Ah, elle est là, Gégé. Baisse un peu le son, éteignez la radio derrière s'il te plaît, Gégé, et on y va, c'est parti. Qu'est-ce que t'as à répondre à Goldo? Goldorak, de toute manière, t'es un enfoiré. Pourquoi? D'accord. Bah dis-moi tout, pourquoi? Pourquoi? Donc maintenant, tu vas faire une chose, tu vas te prier, déjà une, de faire tes excuses auprès de Sandy, parce que Sandy, c'est pas ce que t'as été dit sur à l'instant sur l'antenne, mon pote. J'ai trouvé ça sur Internet. Hein. Ouais, bah j'en ai rien à foutre, dans ce cas-là, vous lui foutez la pelle à cette problème. Parce que si vous continuez à me faire chier, moi maintenant, je vais tous vous balancer aux flics. Vas-y, balance. Ouais, bah tu vas voir, Goldorak, dès demain t'es au flic. Je m'en fous, je suis armé. Ouais, t'es armé, pauvretage, va. Des fulgures, des rétro-lasers, t'inquiète. Ouais, t'as raison. Tu vas voir si tu mets de rétro des lasers 5e, là, comme tu dis. Non, mais il faut faire ta broutille, va. Non, mais si Goldorak, il a ses fulgures au poids, à mon avis, les flics, ils feront pas l'affaire, là. Faire, hein, ouais, mais t'inquiète pas, de toute manière, demain je vais au flic et je porte plainte comme quoi vous nous harcelez tous les deux, moi et Sandy. Non, mais sinon. Ils vont se marrer, les flics. Hein. Ouais, quand j'ai essayé d'avoir ton numéro, mon pote, tu vas on va te faire chier. Il y a Alcor, il y a Vénusia, il y a tout le monde, hein. Vas-y, balance, Captain Flamme, Albatros. Ouais, mais t'inquiète pas, de manière, vous allez pas me faire chier longtemps avec Sandy. D'accord? Non, mais c'est vrai, là, Goldorak! Ouais! Bon, quand même. Là, vous allez trop loin sur la vie privée des gens. Et quand est-ce que tu nous invites, Gégé, pour faire un petit débat en live avec. Ouais! Et quand est-ce que tu vas fermer ta gueule? Ouais! Quand est-ce que tu vas fermer ta gueule et que tu vas me foutre la paix? Jamais, jamais je t'inviterai chez moi et tu prendras toujours la porte dans ta gueule. Ouais. Mon portable, hein, j'arrête pas d'essayer de t'appeler. Ouais, mon portable, il t'emmerde. Ouais. C'est pareil. Ouais. D'accord. Voilà, là, il est en pleine forme, GG, ce soir. Un conseil que je te donne, Goldorak, et à tous les auditeurs qui ont l'habitude de marceler, je vous préviens d'une chose, arrêtez vos conneries parce que demain, c'est les flics pour tous. Et GG, ça fait 3 mois que tu goûtes le Beaujolais tous les jours, c'est pas bien, hein, c'est fini. Ouais, une couche de Beaujolais alors que j'ai pas bu depuis une semaine, espèce de con. Et il est nouveau au début, hein, pas pendant 10 mois, hein. Ouais, pendant 10 mois, espèce de con, et ta connerie, elle est nouveau depuis que t'es né. Oh là là, ta mère, elle s'est cassée la gueule, hein. Oh là là, ça part dans tous les sens. Bon, Goldorak, yes. Ce soir, les deux débats donc de Gérard, quand même, vont porter sur... Ah oui, les astrozobies, c'est ça? Ouais, les astromobies, et ta connerie, tu ferais mieux d'écouter ce qu'on te dit, espèce de con. Non, les astrozobies, c'est toi qui écoutes pas. Ouais, les astrozobies. Bon, Gérard, ça va porter sur quoi, alors? L'astrologie et la musique. Bon, très bien. C'est en forme quand même ce soir? Ouais, bah oui. Il est remonté à bloc, le GG, hein? À part les conneries qu'on dit sur mon compte, mais sinon, ça peut aller. À part ça, c'est quand même la belle vie, dis donc, et oh. Ouais, non, mais quand on arrêtera de nous harceler, hein. Et tu pourrais peut-être nous refaire. Tu pourras pas nous refaire des petits poèmes comme à la bonne époque, maintenant que t'es amoureux, genre un petit poème, genre câlin? Ouais, bah ça, on va pas ce soir. Si, ce soir. Bah non. Elle est en. Si. Toi, Goldorak. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit ou tu iras voir ta mère, elle ira se faire sauter. Oh là là, violent quand même. Bon, Goldorak, bonne soirée, amuse-toi, parce que sinon on va rester pendant 1 heure à tourner sur la même chose. Vous mettez Goldorak en antenne, merci d'être plus. Gérard, toujours là? Ouais. Bon, alors GG, à tout à l'heure. Ok. D'ici 5-10 minutes. Ok, ça marche. Ok, à tout de suite. À tout.
Alors, j'ai deux, trois petits coups de gueule. Alors, vas-y. Donc, alors, Peugeot, si tu m'écoutes, je t'ai prié d'arrêter tes conneries, parce que là, je vais te dire une chose, maintenant, c'est trop tard pour toi, c'est clair et net, et demain, c'est entre les mains des flics. Ouais. Donc, tu vois, ce que tu mets sur Sandy, c'est pas la peine de t'amuser à ça, parce qu'elle m'a dit que c'était non, donc je te signale d'entrée, c'est pas la peine d'insister, parce qu'il y a déjà des gens qui ont porté plainte pour moi, donc je te signale que moi, j'y vais aussi demain, puis je balance toutes tes saloperies aux flics. Ah là, vous allez très très loin, les enfants, vous risquez d'avoir maintenant très sérieusement de gros problèmes, il faudra assumer. C'est pas faute de vous l'avoir répété, quand même. Et puis, soi-disant, respectueusement, maître modeste... Hicule, c'est pareil, lui, je vais faire voir ça aux flics, ça va être bien. Et les flics, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient arriver tous les jours avec ces papiers-là? Ils se marrent ou ils prennent ça au sérieux? Non, là, je crois que ce coup-là, ça va être pris au sérieux parce que c'est ce papier-là que je te fais voir pour la deuxième fois. Oui. Ça, ce papier-là, ça a été affiché dans toutes les entrées de mes immeubles. Oh là 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 là. Alors, Pigeot, si tu veux participer au débat, je te signale, t'as pas intérêt de changer ta voix parce qu'on va te reconnaître. Donc, fais-moi confiance que tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Voilà. Et puis, il y a aussi Ruiz Costa, là, je sais pas quoi, là. Pareil, hein. C'est pas parce que tu crois que ton nom va rester sur ma boîte aux lettres, faut pas rêver, tu viendras pas habiter chez moi maintenant. Ah ça, bon, c'est pas possible? Ça, c'est impossible. Sûr. Donc, alors, je vous préviens si ça continue. C'est clair et net, la semaine prochaine, il n'y aura rien. Ouais. Alors là, donc, mais là, maintenant, ouais. C'est terminé. Je préviens d'entrer. Là, je commence à avoir ras-le-bol. Si d'ici mercredi, il n'y a rien, ça continue. Je vous préviens, jeudi, il n'y aura pas de débat. Donc, tenez-en sur vos gardes. Ouais. Et arrêtez de nous harceler sur les deux portables, s'il vous plaît. Ça sera aussi bien pour vous. Voilà. Parce que les noms, je les ai et ça commence à m'énerver. Comme le Jim... qui, soi-disant, qui vient la semaine prochaine avec 150 personnes chez moi faire la Java, tu rêves. Qui sait aussi qu'on a d'autres, on en a plusieurs, maître, je sais plus qui là, Badoura, là, ou je sais pas quoi, Anel, et puis toute la bande, ça commence à bien faire sur les deux portables. Hein. Voilà, donc nos portables sont pas faits pour vous. Hein. Non, mais c'est clair, va falloir que ça cesse, les enfants, sinon le jour où ça va vous tomber sur la gueule, Japon Rouge, par exemple, nous avons ton numéro de téléphone, etc., etc., tu vas voir que ça va jongler, quoi. Mais en plus, on a la cassette comme quoi que Chaperon Rouge t'a été pris. Hein. Donc maintenant, tu t'en tiens sur tes gardes. C'est bon. À toi maintenant. Non, mais donc voilà, pour préciser. Alors, ben, ça... Et c'était pour dire que Gérard, ce soir, quand même, était bien remonté et n'était pas venu seul, puisque ce soir, il est venu accompagné de sa charmante demoiselle. Future Madame Suraine. Madame Suraine. Sandy de Suraine. Ah, bah oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein. Ouais, mais il faut quand même pas trop balancer son nom, parce que je voudrais pas qu'elle aille des problèmes non plus. On en a déjà assez comme ça avec les conneries et puis tout. Donc, alors je vous préviens, cessez de nous appeler sur les portables. Parce que ça commence à bien faire et on en a marre. Ah bon? Donc en demain, en temps d'heure, on continue. Donc, je vous préviens, il vous reste plus qu'une semaine pour vous tenir sur vos... Alors, regarde et d'arrêter mes... Bah Olivier, il y a la pro à faire ce soir. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est cool. Non, toi, tu dégages, je veux pas de toi à la pro ce soir. S'il te plaît. Non, tu dégages. Alors, tu vas là. Alors, ce soir, on a décidé de tout changer pour les débats de Gira, puisque ça sera Olivier et Fildar au standard et Manu à l'arrière, à la pro. Fildar va encore me toucher. C'est Manu à la pro ce soir. Tu l'aimes bien, Fildar. Ouais, bon, alors Gérard, ce soir, les deux débats, qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, c'est l'astrologie et la musique. L'astrologie et la musique. On peut savoir un petit peu de quoi on va, non? Non, bah, ils verront au fil des débats. Au fil d'art. Au fil des questions. Je préviens tout de suite, quand même, sur la dernière question, sur l'astrologie. S'il y a des gens qui veulent savoir à peu près... qui me donnent leur signe, je pourrais leur dire à peu près sur un truc que tu m'avais demandé de ramener comme tu voulais. Qu'est-ce qu'il va avoir Donc la personne qui me donnera son signe, je dirai à peu près ce qu'il y a sur mon bouquin, c'est tout. D'accord, ok. Voilà, point final à la ligne. Bon, Gérard est bien remonté ce soir, il est en pleine forme, si vous voulez l'appeler 0870-5000. On va faire d'ailleurs, un petit quart d'heure de libre antenne avec GG. Hein, tu veux bien, GG? Surtout Manu. Oh, Manu. Oh. Si tu sélectionnes, si tu commences à sélectionner, tu préviens d'entrer. Je veux pas entendre parler de Sandy, pas de locaux, pas de pont d'Alma et pas de coton-tige, sinon les gens vont virer d'entrée. Okay, ce soir, problème. C'est clair et net. Hein?
Mais le premier qui commence comme ça. Je suis pas au standard ce soir. Non, non, mais même pour Fildar et puis celui qui sera derrière, le premier qui parle de ça, de toute manière, c'est d'entrée. Hein. Même pour les nanas. Il m'a dit, si tu le lis pas, je vais te choper à la sortie de fun. Et ben, c'est pas la peine de... Oui. Et Gérard, si t'aimerais Sandy, Si t'aimerais Sandy ou si t'aimerais Incendie. Voilà. Ouais. Mais c'est qui vient de dire ça? Un petit peu d'humour quand même, hein, Gérard. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Tony. Non. Alors, Lutèce, tu dégages. Non, c'est pas moi. Tu viens, Lutèce. Allez, salut, bonne nuit. Salut, Lutèce. Bonne nuit, Tony. Au revoir, Lutèce. C'est Tony. Bonjour, Tony. Gérard, ta deuxième question, s'il te plaît. Ben, tout le monde n'a pas répondu. Si. Odile. Si, ça y est, j'ai répondu. J'ai dit j'étais contre. Mais, Françoise, tu crois. Pourquoi t'es contre, Françoise? Ouais, ça vaudra peut-être mieux de passer sur ton vrai nom maintenant. Mais c'est pas Françoise, hein, ça mais va pas. Mais c'est pas Françoise. Si. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. Gérard, c'est comme si je disais que Lutèce, c'était Max. Non, c'est pas ça. Oh, s'il te plaît, là. Pardon. Tu commences à être chiant, Fildar. J'aimerais bien être Françoise, moi. Ouais, ouais. Thierry, c'est Tony, quoi. Comme si je disais que Ultraman et France. Rien à voir. Bon, comme hey, si oh. Je disais que Gérard, c'était un con, quoi. Bon, bah alors tu dégages. Allez, hop, tu me. Hey. Salut, Tony. Oh. Salut, Tony. Salut, Françoise. Voilà. Ça va aller vite ce soir, hein. Au tribunal. Gérard, excuse-moi, on accueille un astrologue réputé. Non, je vois pas des astrologues. Mais c'est important pour le débat. Attends, dans un débat sur l'astrologie. Si, c'est important. Merci pour Larsen. Il s'appelle Nostradamus. Nostradamus. On t'écoute. Hé, merde ! Bonsoir, Nostradamus. Est-ce que tu peux prédire l'avenir pour Gérard ? Tu commences à me faire chier, là, hein. Toi, tu as dégagé aussi de te le rendre l'aria. Ça va aller vite, hein. Gérard. Oui. Attends, je vais remplacer Gérard, vas-y. Attends, qui c'est qui veut me remplacer, là? Est-ce que tu peux... Parce que Nostradamus peut prédire, donc, son avenir. Ben, j'attends qu'il réponde. Mon marabout m'a dit qu'on ne pouvait prédire l'avenir de quelqu'un d'autre. On l'appelle. Moi, je peux le faire, oui. Oui. Gérard est d'accord? Ouais, je t'écoute. Gérard est d'accord, tout à fait. Mais c'est parler l'astrologue. Ce qui est dommage, j'arrive, je dis même pas bonsoir. Pardon. Bonsoir, Nostradamus. Bonsoir, Nostradamus. Je vais demander à Gérard s'il est possible de me donner trois chiffres. Alors, Gérard. Le 56, le 23 et le 13. Bon, tu me dégages, Franck. C'est pas moi. Non. Je veux pas savoir, tu dégages, Franck. Allez. Ça y est, il est parti, Gérard. Pas Franck. Vous pouvez répéter les chiffres, Gérard? 4, 2, 1. Gérard, allez-y, donnez-moi trois chiffres. Le 6. Oui. Le 9. Oui. Hélas. Le 1. Très bien. Je vais vous demander, est-ce que vous voulez me poser une question? Il faut que quand vous posez la question, vous réfléchissez bien fort. Ben, je voudrais savoir l'avenir avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle. D'accord. Avec Sandy. Votre ami, je crois qu'il est à côté de vous. Sandy. Voilà. Sandy. Ah, elle est à côté de toi, Sandy, Gérard. C'est qui parle comme ça? C'est la vache qui rit. Je vais tâcher d'y répondre. Alors, bon, le 6 est un très bon signe d'abord. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ces chiffres-là au hasard ou ce sont des chiffres qui évoquent quelque chose pour vous. Non, c'est des chiffres comme ça au hasard. D'accord. Alors déjà, le 1 est un très bon signe parce que c'est le chiffre du gagnant. Parce que le 1, généralement, c'est gagnant. Hein. Mm-hmm. Là, c'est l'une des meilleures, à part le Joker qui est la meilleure. Donc déjà, on peut dire que dans la vie, que vous êtes bien partant. Par contre, vous me dites si je me trompe parce que je ne vous connais pas bien, vous avez choisi le 9. Est-ce que ça a rapport avec le fait que vous ayez une tête d'œuf? Non. Non, le 9. Un petit peu quand même. Et dans le 6, en fin de compte, c'est que, bon, là par contre, au niveau de l'amour, disons qu'il y a une disparité par rapport à l'abstulance qui vous est due. Je crois savoir que vous avez eu plusieurs amis avant. Je ne pense pas que c'est votre première amie. C'est la troisième, ouais. C'est la troisième. Donc, en fin de compte, le 6, c'est normalement le chiffre de la femme qui fera la fin de votre vie. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, si c'est votre troisième femme avec qui vous êtes aujourd'hui, il vous en faut encore trois. Donc ce n'est malheureusement pas... Enfin, ce sont que des chiffres. Hein. Vous allez m'en donner trois autres, s'il vous plaît. Bah, le 4, le 2 oui. Et le 7. Et le 7. Ok. Le 4 veut dire que vous avez des petits problèmes sexuels. On savait, hein. Ce qui veut dire que bon, le 4 est c'est le signe, c'est le chiffre de la sodomie. Ah. Donc je ne
ne sais pas si vous êtes pour ou contre la sodomie. Je suis contre, tout à fait contre. D'accord, donc il va falloir vous y mettre, parce que le 2, c'est le nombre de relations sexuelles que votre femme a besoin chaque soir, mais en se faisant enculer. Ah, ok. Et le 7 pour terminer. Oh bah, le 7, c'est le... La radio. C'est toi, s'il te plaît. Ah, pardon. Le 7, c'est tout simplement le degré de connerie. Alors, on sait que c'est sur une échelle de 1 à 8. Mmh. Donc, vous êtes très con. D'accord. Ok, je vous remercie. Ah, c'est pas mal, mais si c'est pour continuer le débat comme ça... Il est fort, quand même, hein, il est fort. Enfin, bref. Alors, donc, retenez-moi trois autres chiffres. Non, c'est terminé, maintenant, on passe au débat. Donc, on récupère Capucine. Alors, oui, Gérard. Capucine, c'est à vous, écoute. Non. On est au débat. Allez-y. Bon, allez, tu me le vires. Non. Attends, mais c'est super important. Non, t'as la chance d'avoir d'autres. Non. Je peux te donner trois chiffres, je peux te donner ton avenir. Bon, oui, alors. C'est vrai. Bon, Manu, tu fais quoi là? Je gère. Le 08 36 47 22 22 22. Oui. C'est 25 francs la minute. Manu, il donne son numéro. Ça y est. Ok. Putain. Attends, il a pas donné les 8 derniers chiffres, c'est bon. Il a donné les 16 premiers. Non, il a tout donné. Mais non, parce qu'il appelait de Guadeloupe. Ah oui. Il y a 37 chiffres. Bon, alors, qui c'est qu'on a d'autres? Dans ton micro, Gérard, s'il te plaît, merci. Qui c'est qu'on a aussi? Alors, donc, on a Capucine. Bonsoir. On a Cyril. Non, pas Cyril, il a dit. On a Derschlich. Didier, ouais. Bonsoir, Derschlich. On a Odile, on a Susson et on a Thierry. Voilà. Okay. Bon, donc, qui c'est que tu m'as dit, là? Donc, je t'ai dit Capucine, Cyril, Derschlich, Odile, Susson et Thierry. Et Franck est parti. Ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. Ah ben, c'est comme ça, c'est tout. Non, parce que Gérard, c'est la vie. Hein. Gérard, je voulais simplement dire un truc. Qui c'est? C'est Cyril. Ouais. J'écoutais, là, quand j'arrivais dans ton débat au standard, et j'ai bien observé mon poste, et je peux te dire que c'est pas Franck qui l'avait dit le truc. C'était qui? C'était Lutèce. Ah ben, de toute manière, c'est pas grave, Lutèce aussi est parti. Ah ouais, donc... mais bon, Franck avait des réflexions assez intéressantes, c'était pour ça. Oui, c'est ça. Oh, il y a un bébé, là. Non, mais Gérard, c'est Thierry, tu peux poser ta question suivante? Oui, c'est ce qu'on va faire. Merci. Croyez-vous à l'astrologie? Je reprends. Croyez-vous à l'astrologie? Si oui, pourquoi? Alors, Capucine. Oui, je crois à l'astrologie. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il suffit de savoir bien lire lire l'astrologie. Pas tomber sur des charlatans. Et moi, je sais que spécialement, je consulte assez souvent et j'en suis assez satisfaite. D'accord. Cyril? Oui. Attends, excuse-moi, Cyril. Avant que tu répondes, oui. On accueille Saint-Glinglin. Salut, Saint-Glinglin. Salut, Saint-Glinglin. Bonsoir. Salut, Saint-Glinglin. Bonne fête. Bonsoir. Oh, le fantôme est de retour. Ah. Arrêtez, j'ai peur. Bonsoir, Gérard. Capucine, t'as peur? Oui, j'ai peur. Bon, je sens que tout à l'heure... Qu'est-ce que flottir sur mes fesses musculaires? On se calme. C'est la mienne. Qu'est-ce qui me fait rire? Thierry, s'il te plaît. Gérard, tu peux gérer, s'il te plaît. Capucine, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, vous êtes chiant. Bon, ça commence à bien faire. Cyril, ouais. Berniche et Saint-Glinglin, ça commence à bien faire. Derschlich. Bon, ouais, ça commence à bien faire. On n'écorchons pas les noms. Écoutez, je viens juste d'arriver. Hein. Saint-Glinglin vient d'arriver. Hein. Ouais, bah alors oui. Ça commence à bien faire. Vous bonsoir allez vous calmer. Ouais. L'aile ou la cuisse? Non, mais attends, mais oh. Allô, Bart? Oui. Mais pour qui tu te prends, Figa? Je fais bien la chatte de Sandy, moi. Allez, Odile! Oui! Odile! Bah réponds! Gérard, tu gères un peu le débat là? Gérard! Odile, tu te réveilles! Ta gueule un peu! Ouais, c'est François, tu vas dégager! Oh, écrase la pépère! Bon bah tu dégages! Tu dégages, Françoise, merci! Voilà, comme ça va être vite fait là! Voilà, calme! Gérard, c'est Thierry là! Thierry, vas-y! Sucette là! Attends, Sucette! Susson, pardon. Thierry.
Oui, donc par rapport si on peut avoir confiance en un voyant ou une voyante, c'est ça ta question? Non, c'est croyez-moi l'astrologie. Ah, si oui, non, pourquoi? C'était ta première question, ça. Non, non, c'est la deuxième, là. Eh ben, je te réponds la même chose, je ne crois pas à l'astrologie du fait que... voilà, j'ai été voir un astrologue et il n'a pas pu me conseiller et mon marabout m'a très bien satisfait. Ah, ok, d'accord. Donc tu reviens à peu près sur tu reviens au même propos que la première question. Bah, ta première question était un peu la même. Je suis désolé, Gérard. Ma réponse en tout cas s'en rapproche obligatoirement vu que c'est le même exemple. Ok. Susan. Alors moi c'est pareil. C'est comme je te disais tout à l'heure. Ta question elle ressemble un peu à la première. Donc moi j'ai été voir un astrologue. Attends 5 minutes Susan. Fildar. Ça te dérange pas que les gens répondent et puis que tu mettes la musique en même temps? Non mais ça te répond. Non, ça me dérange pas. Ils essaient de son, c'est seulement chez Bart. Hein. Excuse-moi. Tu me fais gaffe. Susan. Oui, donc je disais... Attends, je remets la cassette là. Ouais. Donc je disais... attends, un petit peu là, je mets en avant, c'est bon. Non mais c'est bon, tu réponds tout de suite ou sinon ouais, tu vas faire disais, comme les autres. Je disais que j'étais voir un astrologue qui s'appelait Gérard Couillos. Oui. Et donc, tout ce qu'il m'a dit, ben, c'était n'importe quoi, parce que finalement, ben, Gérard, t'as pas voulu de moi, quoi. Ah là là. Non, et même si je suis plus belle que Sandy, t'as pas voulu de mes gros seins. Et il faut pas perdre espoir, ça peut changer, hein. Ça peut changer, tu sais. Ouais, mais de toute façon, je sais que quand il quittera Sandy, après, il sera mes pieds, alors. Oui, bah, c'est sûr, là, bah, tu voilà. Rêves, Susan. Attends le moment où ça se passera, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Bah, tu peux. Je suis patiente. Ouais, bah, tu peux toujours attendre maintenant, hein. Tu verras. Tu verras. Ouais, tout recommencera, on mais... On se rencontrera. Thierry. Bon, t'envoies un disque là parce que ça commence à bien faire. Oh non. Envoie la musique complète. J'envoie quoi? Mais j'en sais rien, moi, tu mets un disque. Mais j'ai pas de titre, j'ai rien. Bah, moi non plus, j'ai pas de titre. Comment tu veux que je mette de la musique si on a... Pose une question, je vais réfléchir, je vais chercher un disque. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, Thierry, Susan et Capucine, vous la fermez. Hein? Vous taisez. Thierry, hein, ok, Gérard, troisième question, s'il te plaît. Ben, vous allez y réfléchir. Okay. Peut-on dire que le signe astrologique d'une personne détermine son caractère et on se retrouve juste après? Oula, j'ai rien compris. Ta gueule, toi. Voilà. Alors, peut-on dire que le signe astrologique d'une personne détermine son caractère? Donc, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et on s'écoute la petite fleur avec des... Stérilène. Vous calmez. Moi aussi. On se calme, les enfants. Vous calmez, vous me laissez répéter les numéros de téléphone, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça pète. Tu mets tout le monde en ça y est, air, c'est fait, là. C'est fait, vas-y. Donc, on voudrait que des nanas appellent pour participer au débat. Donc, 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 Copen Radio, rubrique directe. Si vous voulez réagir avec un numéro de téléphone, vous pouvez y aller. Donc, on récupère Capucine. Bonsoir, Gérard. Guillaume. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Pierrot. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Cécile. Bonsoir. Susan. Bonsoir, mon chat Malo. Et Thierry. Et re bonsoir à tous. Donc alors, peut-on dire que... Attends, Gérard, excuse-moi, juste avant, j'ai un message Minitel de Yaourt qui nous dit « J'ai fait signer une pétition pour que Gégé se lave, ou au moins que Sandy le lave. C'est du sérieux, Ayrton Senna, Lady Diana, Garcimore et Herbert Lenard ont déjà signé. » Non mais Fildar. Ouais. Fildar, c'est Thierry. Je voulais juste dire que de ma radio, ça pue toujours autant. Gérard, attends, excuse-moi, parce que j'ai noté un truc au standard pendant la pause. On nous a dit que Elisabeth Fessier avait révélé que pour l'année 98, un fléau s'abattrait sur la France tous les jeudis. Ouais. On verra. Oh là là, Gérard, je peux te poser une question? Attends, 5 minutes. Thierry? Oui. Ce que t'as non, dit? Non, c'est pas Thierry qui te répond là, c'est Thierry là. Thierry? Oui, je t'écoute. C'est toi qui viens de dire que ça peut toujours, je te préviens, je t'ai gardé pour continuer le deuxième débat, si ça va pas, tu vires. Bah, tu étais le premier à me dire qu'on pouvait rire quand même. Oui, non, mais il y a des limites. Il y a des limites. Hé, Fida! Ah, pardon. Hey, ça commence à bien faire. Hein. Mais non, mais Gérard, c'est sucette. Oui. Est-ce que je pourrais péter quand j'en aurai envie? Non. Bien sûr. Guillaume, tu te tais. Pardon? Grand plaisir. S'il vous plaît, l'image des filles, là. Hein, bon,
Oui, c'est des enfants. Est-ce qu'on peut poser des questions à Sandy? Non. Pourquoi? Bah attendez, pour l'instant, c'est le débat, c'est pas le... Bon, allez, vas-y, Gérard. De toute manière, Sandy, elle veut pas parler. Donc, ouais, vous la laissez... Ok. Ou quoi? Bah, vous la laissez tranquille, pour l'instant, c'est tout. Oh, gros bisous, Sandy. Ouais, bah, vous lui foutez la paix. Je te kiffe, Sandy. Bon, Pierre et Guillaume, continuez pas, sinon vous allez virer. Parce qu'elle penche un peu vers la gauche, là. Bon, allez, hop. Allez, hop. C'est lequel, j'ai pas suivi. Tu vires Guillaume et Pierre, je veux pas le savoir. Ah, j'ai rien dit, moi. Bon, dénoncez-vous. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît. Je sens que ça va virer, tout le monde va virer tout à l'heure. Gérard, c'est Thierry, continue ton débat, Gérard. On va y aller. Alors, peut-on dire que les signes astrologiques d'une personne déterminent son caractère? Capucine. Alors, moi je dirais que ça peut, mais on peut, si on dit que chaque signe a un caractère spécifique, ça voudrait dire que tous les taureaux, toutes les balances, tous les capricornes, etc., auraient le même caractère, alors que personne n'a le même caractère. Mmh, hey, donc... Attends 5 minutes, Capucine. Oh les nanas, vous réveillez un peu au standard, s'il vous plaît. On est là. Oh Olivier, Jean Pildard, tu commences pas ta merde là ou quoi? Pardon. On est là. Non mais moi je veux qu'il y ait des nanas qui appellent au standard aussi. Mais t'en as déjà une, nana. Ouais, non, mais même. Elles sont en train de parler, les nanas. Ouais, il y a Max au standard. Alors les nanas, appelez s'il vous plaît, merci. Mais vous, ce que vous voulez. En nombre. Elle te suffit pas, Sandy? Donc Capucine. Oui. Donc pour finir. Donc je disais que il y a plusieurs choses qui rentrent en je sais pas comment on dit. Dans la chatte. Ouais. Non. Il y a pas que le signe astrologique, il y a aussi l'ascendant, etc. D'accord. Je peux péter. Guillaume. Oui. Je peux y aller, Gérard? Ouais. Donc moi je pense que un signe astrologique ça peut influer sur le comportement d'une personne. Mais de là à déterminer son caractère dès la naissance, c'est pas possible, quoi. Ouais, mais dans quel sens? Je veux dire, tu vois, comme... Bon, Suzon, tu dégages. D'accord, il m'écoute même pas. Tu dégages, Suzon. Tu sais, par rapport à ce que disait Capucine tout à l'heure, par exemple, le taureau aura tel comportement, le lion aura tel comportement, je pense pas que le fait d'être né au mois d'avril ou au mois d'août puisse vraiment influer sur ton comportement. Mais des fois, il y a des trucs qui se retrouvent, quoi. Guillaume, t'es de quel signe? Cécile. Lion, moi. Attends. Lion ascendant Sagittaire. Pierrot. Lion ascendant Sagittaire, c'est ouais. ça Pierrot. Oui, Pierrot. Donc, oui, moi, je crois pas trop en ces choses-là. Hein? Je crois pas trop en... Oh, Guillaume, s'il te plaît, tu te tais, merci. De l'astrologie. Mais je pense pas qu'une position de la planète par rapport à une autre peut... Non, mais est-ce que t'as compris la question? Bien sûr. Bon, bah, là, tu réponds à côté. Je réponds en plein dedans. Mais non. Dit que tu poses une question sur l'astrologie. Ouais, mais peut-on? Moi, je suis en train de te répondre que les positions des planètes, à mon avis, ça. Non, mais c'est pas ça. Les caractères des gens. Ouais, non, mais peut-on dire que le signe astrologique par la planète, ça a rien à voir? Oui, mais justement, l'astrologie, si t'es pas trop, voilà, et tu saurais que c'est les positions des planètes. D'accord, ouais. Cécile. Ouais, écoute, moi je vais te dire que il faut tenir compte quand même du signe du zodiaque, quoi. Donc t'es né sous une planète, sous un signe, donc c'est normal que la planète t'influence, quoi. D'accord. Par exemple, moi je vais te donner un exemple. Je peux donner un exemple? Bien sûr. Ouais, ouais. En fait, moi je suis influencée par la position des planètes, quoi. Tu vois, quand Vénus et Saturne se rencontrent, il y a des choses qui se passent, quoi. C'est pour chacun de nous. Quand d'accord. Les planètes se rencontrent, je sais que quand il y a la pleine lune, mes poils ils poussent. Qui? Ouais. Qui dit ça? C'est Pierrot. Ouais, mais attends, Pierrot, pour l'instant, tu laisses finir ses... C'est vrai, hein, ce que dit Pierrot, là. Ouais. Donc Thierry. Chaque planète bon, Pildar, sur notre vie. Tu peux l'aria comme il faut, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est Pierrot. Moi, je pense que les planètes, elles ont quelque chose à voir dans la vie. C'est normal. Bien sûr. La lune a bien une influence sur le comportement humain. Donc Thierry. Oui. Donc pour toi. Pour moi, en fait, tout dépend de l'origine de l'astrologie. Attends, Thierry, qui c'est qui a un portable avec lui, là? Mais personne. Personne. Ça sonne. Ah, il y a un portable qui sonne. Attends, je crois que... Attends, excuse-moi. Est-ce ton portable, Gérard? C'était ma montre. Putain, mais Manu, excusez-moi. Non, mais arrête ta montre avant de faire le débat. Non, c'est parce que d'habitude, je me réveille à 3h, et donc là... Il a une montre de 1000 watts. Susan, elle est plus là. Manu, attends, elle déconne. Oh, tu fais chier, là. Déconne. Tu as dégagé du standard tout à l'heure, toi. Hein.
Gérard. Ah, oh, Manu. Oh merde. Gérard, c'est Thierry. Attends, attends, parce que là, pour l'instant, ils sont. Qu'est-ce qui se passe dans les studios, Gérard? Non, mais c'est sympa, c'est plus, plus intime, maison, c'est plus intime pour toi et Sandy, Gérard, c'est mieux. N'importe quoi, toi. Oh, vas-y, Gérard, continue. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Ça y est, on a entendu Sandy. Attends, qu'est-ce. Oh, vire-le, vire-le. En train de jouir en plus. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, Gérard, c'est Thierry, j'attends toujours. Faut que tu Gérard, mais... tout le monde a répondu, je crois. Non, non, pour l'instant, Thierry n'a pas répondu. Alors, quand vous arrêterez vos conneries, vous, on attendra. Merci, Gérard. Vas-y, Thierry. Alors, Thierry. Ok. Alors, moi, je voulais dire que tout dépendait de l'astrologie en question. On peut souvent penser que le signe, voire l'animal qui nous représente, peut influencer le caractère. Je pense surtout aux taureaux qui sont dits très fonceurs. Tu vois de quoi je parle, Gérard? Ouais, ouais. Verseau, c'est quoi? Et en fait, Verseau, tu n'as qu'à savoir. Je dirais que tout dépend de l'astrologie dans la mesure où en astrologie chinoise, moi, par exemple, je suis tigre. Moi, je suis coq. Et en astrologie yougoslave, je suis scroutmout, qui veut dire marmotte, en fait. Et on ne peut pas comparer le comportement d'un tigre et d'une marmotte. Ouais, c'est clair. Oh, putain, merde! Excuse-moi, Thierry. Thierry. Tu t'es déjà pris le bouquin dans la tranche. Moi, tout au, au standard, on vient de me dire qu'en fait, pour l'année 98, les vaches, scorpions et les caniches balance, ils seraient voués à la déprime. Est-ce que tu peux certifier ou... Alors, je peux pas certifier parce que je connais pas bien le horoscope thaïlandais. Ouais. Attends, Thierry. Oui, Thierry. Je crois que ça concernait seulement les libellules rhinocéros. Ah, ok. Parce que moi, je crois qu'en Serbie du Sud, c'était plutôt les... Non mais Manu, tu te sens bien là? Pourquoi? Non mais ça, si tu veux, tiens. Bah, tu prends ma feuille. C'est vrai, je veux. Ouais, okay, Manu, c'est vrai. T'écoute. Je veux. Pose les questions. Vas-y Manu. Vas-y Manu. Voilà. Dis ce que t'as à dire. Non mais c'est bon. Non, on fait pas yaïo, Gérard. Allez, vas-y, reprends Gérard. Allez, casse-toi. Non mais vas-y, c'est pas grave. T'as une drôle de voix, Gérard. Manu. Oui. Écoute, Manu. Et toi? Toi, tu fais gaffe parce que tu t'es déjà pris un bouquin dans la tronche. Gérard, allez, non. Il s'est pris ma femme actuelle dans allez, la tronche. Gérard. Quelle violence. Quatrième question. Ouais. Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux? Comment? Attends, Gérard, avant la question, on va accueillir Anissa. À la place de à la place de Susan, tu m'as demandé très gentiment de dégager. Oh, c'est Thierry, tu pourrais me dire bonsoir quand même, Anissa. Bonsoir, Thierry. Merci. De quelle origine, bonsoir, Anissa. Bonsoir, Anissa. Je suis d'origine turque. Ouais. Tu peux nous parler de l'astrologie turque, alors? Non, mais attends, Thierry. Excuse-moi, Gérard. Par exemple, Gérard, c'est le signe de la vache. Et toi, t'as le signe du cochon, d'accord? Et tu me semblait que c'était un bison cendré. Tu prendras ta voix normale ou sinon tu gères tout de suite. Écoutez, j'ai une voix comme ça, monsieur Gérard. Ouais. Une voix de travelo, ça voudra peut-être mais mieux. Mais non, mais Gérard, écoutez, je suis un transsexuel. Ouais, bah allez. Bon, alors, le signe. C'est quel signe, ça, transsexuel? Non, mais c'est bon, Guillaume, Pierrot et Thierry, c'est moi qui pose les questions, donc maintenant vous allez. Écouter. Gérard, je te signale que je n'ai rien dit. Moi bon, non plus. Alors, pour l'instant, vous me laissez poser la question. Donc, tu disais que Sandy, c'est le signe de la vache. Ouais, et ben alors, Sandy, à ton merde, et tu te dégages au standard. Allez, bonne nuit. Au suivant. Pas de travaux. Vas-y, je te pose ta question. Moi, je suis là. Alors. Je suis cochon, ascendant Sandy, je t'aime. Je monte dessus. Moi aussi. Vas-y, alors, Gégé. Très fort. Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux? Capucine. Oui. Ah bah oui, forcément. Dans quel sens? Dans quel sens? Bah écoute, être amoureux, c'est y a rien de plus beau. Et justement, je suis en train de vivre en direct, tu vois. Ouais. C'est comme ça. D'accord. Grâce à ceci. Oui, pas trop ton téléphone, ça va faire de la friture. Guillaume. Ah, oui. Hey, Fildar, tout à l'heure, tu vas te reprendre le bouquin dans la gueule. Je suis en train de lire des messages Minitel, c'est passionnant. Oui. Tu lis peut-être les messages Minitel, mais tu t'as. Quoi? J'ai rien fait, vas-y, continue le débat. Fais gaffe. Ouais, je suis là. Je l'ai fait tout à l'heure, fais gaffe. Parce que sinon, la semaine prochaine, tu as... Bon, Gérard. Tu as gerbé tout à l'heure, toi. Gérard, réponds. Qu'est-ce qui se passe dans la maison, là? Guillaume, Gérard, tu sais celui-là? Oui. Guillaume. Oui, donc, pour être heureux en amour, je crois que des astrologues ont...
établit des compatibilités entre les signes, par exemple tel taureau ira avec tel gémeaux, et je crois que ça peut influer quand même sur une relation amoureuse. Donc je pense que oui, par exemple Capucine, t'es quel signe? J'ai taureau. Parfait, c'est parfait avec moi. Donc, tu vois, non mais attends, hey, Guillaume, ouais. Tu as pour l'instant, on s'en fout de quel signe qu'elle est, d'accord? Pour l'instant, c'est important pour notre avenir. Oui, non, mais attends, Capucine, quand même. Il y a d'autres personnes qui veulent répondre, donc ouais. Tu les laisses parler, s'il te plaît, merci. Excuse-moi. Donc, j'ai pas fini, Gérard. Non, mais ça y est, pour l'instant, c'est bon. On va pas s'éterniser sur vos deux signes entre toi et Capucine, d'accord? Ouais, parce qu'il y a encore Pierrot, il y a Cécile et Thierry. D'accord, bah, je réponds. Bon, alors Cécile, ouais. Après donc, on demandera en fait, Pierrot. Je te dis, Gérard, c'est une question de planète, quoi. Donc ça influe Saturne sur Vénus, etc., quoi. Mars sur Jupiter. Et donc, il y a de l'amour dans tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Donc ça influe, il y a des ondes planétaires qui gèrent tout ça, quoi, voilà. Mmh. Pierrot ? Gérard, oui, excuse-moi, on accueille Joconde. Bonjour, Joconde. Salut, Gérard. Salut, Joconde. Avignon. Oui. De Avignon. Mmh. D'Avignon en plus. 26 ans. Gérard, moi je viens d'arriver, c'est quoi la question? Alors, peut-on faire là? Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux? Donc, Pierrot? Ouais, bah, moi je voudrais qu'on m'explique, moi je suis Sagittaire donc. Non mais attends, Pierrot, tu réponds. Avec les scorpions. Guillaume, tu vas te taire s'il te plaît? C'est pas moi, j'ai rien dit. Oh non, mais c'est jamais toi alors. Y a-t-il scorpion dans la salle? Non, y a pas de scorpion ici. Donc, Pierrot, tu réponds s'il te plaît. Ouais, oh putain! Mais quoi? Mais tu vas m'éteindre dans ta merde là! Oh là là, t'as entendu un cri! Moi, Gérard, c'est un jingle! Gérard, excuse-moi, j'ai une question personnelle à te poser. Vas-y. T'es pas scorpion toi, Gérard? Non. Bah, je croyais que tu piquais avec ta queue, non? Pauvre con, Gérard! Manu! Oui? Toi, il est 3h du matin, tu travailles il y a 3h. Il est 3h. Je suis réveillé là, non? Il est 3h06, si tu continues, tu vas rentrer chez toi. Et toi, Pildar aussi! Mais quoi? Fais gaffe, t'amuses pas là-bas parce que sinon je vais finir de travailler là, moi. Ouais, bah oui. Bon, tu vas arrêter ton bordel, toi. GG, à force de virer tout le monde, t'auras plus personne. C'est quel signe, GG, tu nous as pas dit? Non, bon, pour l'instant, je vous ai dit à la fin des débats. À la fin, okay. À la fin des jeux. Donc c'est Pierrot. Oui, ça y est, j'ai répondu, donc je sais que je vais avec les scorpions, donc c'est bien. D'accord. Thierry? Oui, je t'écoute. Bah, t'as compris la question? Oui, bah en fait, moi je voulais savoir de quel signe astrologique était Fildar à ce propos. Fildar? Quel ouais. Signe astrologique qu'on te demande? À la fin. J'ai mon horoscope devant moi et je voulais savoir si j'avais moyen de faire quelque chose avec Fildar. Non, c'est moi qui le dira et c'est tout. Donc, Joconde. C'est toi qui gères avec Fildar? Non, c'est moi qui gère. Je croyais que t'étais avec Sandy, je comprends rien. Non, mais attends, Thierry. Hey, t'arrêtes, s'il te plaît, comme ça. Ouais, c'est moi qui dira. Qui dira ce qui vous arrivera. Qui dirait, Gérard? Voilà. Gérard, t'es cancer, toi? Ça te regarde pas, tiens, ouais, Joconde. Il est cancer. Bon, vous calmez, s'il vous plaît. La question. Joconde. Oui, est-ce que tu peux me répéter la question? Ouais, mais on l'a répété. Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux? Oui, moi je le crois. Quand tu lis ton horoscope et qu'il est bon et qu'on te dit que tu vas être amoureux, ben oui, ça te rend amoureux. Mmh. D'accord. Ok, je pense que on a fait le tour de la quatrième. Ah, j'ai un message Minitel de GGPD, hein, c'est son pseudo. Le signe chinois de Gérard, c'est l'âne sodomisateur. C'est ça, j'en ai rien à foutre. C'est pas du Sildar, ça? Ah non, le Sildar, c'est sodomisé. Qui c'est qui vient de dire ça? À ton avis? Non mais là, je voudrais que la personne se dénonce maintenant. Parce que ça commence à bien faire depuis. C'est Gérard. Ça commence à bien faire. Ça devait être Tony, je sais pas. Ouais. Tu m'envoies un disque là, il est quand même 3h10. Ouais, Gérard, pas de disque, on continue là. Non, c'est bien, Gérard. Non, hey. Gérard. Bah quoi, je t'envoie un disque. Gérard. Vous êtes complètement barzo, envoie-moi une musique là, quoi. Gérard. Mais reste. Non, la nana, c'est qui dit Gérard? Mais reste. Allez, c'est nous qui allons faire la musique. Attends, on vient de reprendre, tu gères ton débat et c'est tout, quoi. On est déjà à la cinquième question, il est déjà 3h10. Eh ben, tu demandes à tous les gens, c'est bon, on a le temps, là. Oh là là. Mais j'ai pas ta question. Gérard, si t'as à faire 40 questions, on s'en fout. Ouais. Attendez, peut-on faire l'amour avec les deux mêmes signes, Joconde? Mais de l'huile. Mais ça n'a rien à voir. Mais de l'huile. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment n'importe quoi, Fidin. Tu n'es pas intelligent. Fais des débats, je te dis. Eh, Gérard.
Mets de la vaseline, je t'encule. Ouh là là, Tony. Allez, GG, sérieux. Ça va casser là. Sérieux, reprends le débat. Prends dans le calme, repose. Tout le monde se calme. S'il vous plaît, tout le monde se calme. Gérard, tu vas reposer ta question et vous allez tous répondre dans l'ordre quand il va demander vos noms. Alors, peut-on faire l'amour avec les deux mêmes signes? Alors, Joconde. Mais ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Bah parce que, à la limite, est-ce que le signe fait tomber amoureux? Ok, mais elle est débile, la question. Mais par exemple, deux gémeaux qui font l'amour ensemble ou autre, je vois pas pourquoi... C'est dégueulasse, entre frères. Non, mais attends... C'est dégueulasse. Non, mais est-ce qu'on peut faire l'amour entre scorpion ou entre bélier ou... C'est ça? Bah oui. Bah oui. Oui, bien sûr, mais ça dépend, hein. Ça dépend de ton signe. Ouais, mais bon. Bah, d'accord. Thierry? Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde, là. Bon, attends, pour l'instant, tout le monde n'a pas répondu, alors tu réponds. Bah, si, moi, j'ai compris. Si t'es pas capable de comprendre ce que les gens ont dit, c'est ton problème, Gérard. Oui, tu... Cécile? Ouais, moi, je pense que... les mêmes signes, c'est possible, quoi. Parce que ils ont... les ondes passent mieux, quoi. Un fluide. Non, les ondes passent mieux parce que comme c'est de la même planète, donc tu vois, les ondes sont positives, mm-hmm. Donc ça va. Voilà. Pierrot? Je passe. Non, alors Pierrot, tu dégages. Allez, mais attends, mais il a le droit de passer. Non, mais je comprends pas la question. Non, bah tu comprendras mieux chez toi. Voilà, bonne nuit. Guillaume, tu pourrais lui expliquer. Oui, moi je trouve que en ce qui concerne donc cette histoire de faire l'amour entre deux mêmes signes, je pense que le fait d'être soit bélier comme ton partenaire ou d'avoir le même signe que ton partenaire, ça n'a rien à voir dans la relation. Donc, c'est une question pour rien, quoi. D'accord. Capucine? Bah, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Bah, on m'a expliqué la question, j'ai tout compris. Merci. Je viens d'expliquer à Pierrot, il peut répondre si tu veux, Gérard. Donc, oui, de faire l'amour avec deux signes, c'est tout à fait possible. Je vois pas pourquoi deux signes seraient rétroactifs en présence de présence. D'accord. Ouais. Bon, Fuldar, ça suffit, s'il te plaît. Gérard, je suis là, je fais rien. On parle beaucoup des signes, mais où sont les canards? Dans le continuum espace. Oui. Si, je voulais ajouter un truc. Bah, vas-y. Donc, je voulais te dire, parce qu'en fait, c'est mieux que le signe soit opposé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comme c'est très bien que généralement, les gens qui s'attirent, ils sont opposés, quoi. Ouais, mais comment? C'est-à-dire. Fuldar, s'il te plaît! Gérard, tu vois bien que je ne touche pas, je suis pas là, regarde, je suis pas là en train de tripoter là. Ça commence à bien faire ce son pourri. Mais je suis en train de caler le disque suivant. Ça commence à bien faire ce son pourri. Eh ben, tu fais une note à la technique, hein. Ça sera pas la première. Donc, comme je te disais, Gérard, comme tu sais très bien le proverbe qui dit les plus et les moins s'attirent. Hein. Mais pourquoi? Mais tu connais ça, GAG? Oui, mais pourquoi alors? Bah écoute, parce que le plus ne peut pas être attiré par le plus. Mais où ça? Pourquoi? Bah, non, mais attends, je vois pas le rapport avec les deux mêmes signes, le plus et le moins. Attends, Gérard, excuse-moi, je me posais une question parce que, en fait, tu dis par exemple bélier et bélier. Vas-y, Manu. Mais bélier et bélier, c'est homosexuel, c'est bélier et brebis. Ah, voilà, mais n'importe quoi. Bon, enfin bref. Mais non, mais Manu. Bah, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Manu, personnellement, je m'en fous. Je ne comprends pas le fait que deux vierges fassent l'amour. Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les ondes sont négatives. C'est quoi ce son pourri là, Manu? Non, impossible. Gérard. Impossible, Olivier, il a refait tous les inserts cet après-midi, le son et tout, ça peut pas venir de... Bon, tu sais qui... La radio, les auditeurs! Oh là là. Mais que se passe-t-il? Mais dans les studios? Bon, c'est quoi la musique? Moi, je mets une... Allez hop. Gérard! Bon, allez, reprends le débat, je vais essayer de gérer. Non, mais moi je continue pas comme. Tu vois, c'est toi là. Tu vois que c'est toi. Mais non, je t'aime. Attends, ce signal il est 3h15, il reste 4 questions après. Hein. Vas-y, t'es sûr que tu demandes à tous les auditeurs qui sont à l'antenne avec nous? Oui. Tout le monde a répondu, toi. Mais ils répondent n'importe quoi alors. Ouais. Alors pensez-vous qu'un Gémeau et un Verseau s'aiment? Oui. Quoi? Un Gémeau et un Verseau? Oui. C'est Guillaume. Guillaume? Oui, je pense qu'un Verseau et un Gémeau peuvent s'aimer, puisque je m'y connais un tout petit peu en astrologie, et ce sont deux signes qui sont tout à fait compatibles. C'est pas s'ils peuvent s'aimer, c'est s'ils s'aiment. Normalement, s'ils peuvent s'aimer, ça veut dire qu'ils s'aiment, donc oui. Non, mais attends, Guillaume. Oui. Qui c'est qui a coupé la parole à Guillaume, là? Bah, c'est moi, c'est Thierry, tu me laisses jamais parler. Non, mais attends, Thierry! Ouais, je t'écoute.
En fil d'or. Putain, mais c'est pas vrai. Mais moi, je mets un bed, un bed. Et Guillaume, oui, hein, qu'est-ce que tu dis? Guillaume, oui. Tu dis quoi sur les lions et les taureaux? Non mais Fildar, hey, Guillaume, Fildar. Guillaume pour Fildar, un sang vous. Pour ce sang. Mmh. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non mais ça va, oui là. Non mais il parlait de bête, c'est pour ça. Non mais hey, non mais si vous voulez, oui. Parler entre vous en direct, c'est bon. Je me demandais juste s'il avait lavé la couette. Non mais ça va, vous gênez pas non plus. Toi, tu es ascendant en Sagittaire. Bon, ouais. Moi, je suis ascendant Balance. Bon, ouais, vous vous calmez. Mais qu'est-ce qui se passe les? Bon, Fildar, moi j'arrête pas. Moi, je rentre chez moi, calmez. Mania, coupe le son. Oh, il déconne au standard. Oh, Roswell, attends, Gérard, là. Ah, ça y est, bon ça y est, ça y est. Gérard, le retour. C'est bon, Manu. C'est bon, Gérard. Ouais, merci. Excuse-moi, Gérard, c'est Gérard. Bon. Alors, Guillaume, je te répète la question, parce que apparemment, t'as pas compris. Ouais. C'est vous. Ouais. C'est quoi encore? Que c'est que ce bordel? Je crois qu'on va le virer, Manu. Hein. Non, mais toi aussi, je crois. Hein? Moi, quand j'étais à l'arrière, ça se passait bien. Tu peux demander à Gérard. À un moment donné, tu t'amuses à me couper le micro, alors t'amuses pas trop. Hein. Alors, vas-y. Alors, pensez-vous qu'un Gémeaux et un Verseau s'aime? Bon, hé hey bah, voilà, les mains en l'air. Bon, Gérard, on comprend rien, là. Gérard, j'ai rien entendu. Pensez-vous qu'un Gémeaux et un Verseau s'aime? Oui. Qui? Oui, bien sûr. Ils s'aiment quoi? Ils s'aiment quoi? Mais qui s'aime? Bah, qui l'un de l'autre. Ah, bah, qui font l'amour. Non, mais surtout qui récolte. Hein. Gérard. C'est un Verseau et un Gémeaux peuvent s'aimer, c'est évident. Peu importe le signe, quand on est amoureux d'une personne, on est amoureux, puis point à la ligne. Ouais, le signe astrologique, tu vois, c'est pour moi, c'est accessoire. Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pas d'accord. Attends, mais pour qui est pas d'accord? Alors, donnez. Pourquoi? Joconde. Non, mais attends. C'est accessoire. Oh, Guillaume, s'il te plaît. Oui. On se calme là! Non, je veux finir! Bah, continue! Je peux y aller? Ouais! Comme je disais, le signe astrologique, c'est accessoire quoi! Ah, je suis pas d'accord! C'est fait pour confirmer quelque chose, mais je pense pas qu'on puisse baser une relation uniquement sur le fait qu'un signe aille bien avec un autre quoi! Tout non, je suis pas d'accord! Non, mais alors! Moi non plus, je suis pas d'accord! Gérard, c'est Joconde! Qui c'est qui est pas d'accord? Cécile! Thierry! Mais alors pourquoi? Alors, c'est Cécile qui répond! Mais pourquoi Cécile? Bah écoute Gérard, on vient d'une planète, hein, tu vois, et tout autour, il y a des ondes qui sont, je sais pas, qui traversent les esprits, tout ça, quoi. Donc tu vois Gérard, par exemple, tu peux pas dire... On se calme. Donc tu peux pas dire, par exemple, un Sagittaire, c'est rien, ça veut rien dire. Tu peux pas dire qu'un Verseau, ça veut rien dire, c'est pas possible. Mais non, mais je suis pas d'accord, Gérard. Gérard, écoute. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quoi, non, là, ce bordel? Parler, là, mais c'est des micro-coupures, c'est la station, merci, c'est la Tour Eiffel. C'est Cécile. Ah, merci, Cécile, ça me fait franchement plaisir. Ouais, moi aussi. Que quelqu'un m'écoute, enfin. De rien. Bon, Thierry. Donc voilà, aussi bien que les deux signes, les deux mêmes signes, à mon avis, peuvent établir une relation, tant bien que... Non, mais attends... Super. On va continuer. Change la DAT. C'est alors, pas moi. Hein. Alors, si vous essayez d'accoupler un Gérard, donc on disait avec une Sandy, je vois. Alors Thierry, tu dégages, Thierry. Alors là, il y a des trucs. Ouais, on rigole pas quoi. Tu t'en vas ouais, tout là. Ouais. Tu t'en vas, Thierry. Ouais. Ça y est, il est parti, Gérard. Tout à l'heure. Adieu. Oui. Eh non, mais moi je suis pas du tout d'accord quoi, parce que si une fille te plaît, la première question qui va te venir à l'esprit c'est elle me plaît, j'ai pas qu'elle signaler quoi. Ouais, mais elle te plaît, il y a des ondes. Parle plus fort, je suis en train d'essayer de voir le niveau. Mais non, mais je suis pas d'accord. Bon, il y a des ondes qui véhiculent quand même. Bon, mais ouais, mais si un mec qui te plaît, si par exemple il est Gémeaux, tu t'entends pas avec les Gémeaux, tu vas pas te dire bon ben c'est bon, je le laisse. C'est bon. Non, mais tu sais pas. C'est pas la question. Ouais, mais tu peux lui demander quoi. C'est pas la question. Ou quoi que ce soit. C'est pas la question, Cécile. Mais si, Gérard. C'est pensez-vous qu'un Gémeaux et un Verseau s'aiment? Bah oui. Vous répondez oui, à côté oui, de Gérard, la question. Gérard, c'est Joconde. Pourquoi spécialement un Gémeaux et un Verseau? Ouais, c'est vrai. Comme ça. Quoi Gérard? On t'entend plus, Gézé. Putain, mais regarde, Gérard. Tu prends ton micro, tu parles en face. C'est pas compliqué. Ça devient le bordel, hein, ce soir. J'en ai marre. GG, allume un autre micro. Gérard, histoire de reprendre nos esprits, je crois qu'on accueille Samy.
à la place donc de Thierry. Bonsoir Samy. Ah, ça va faire du bien. Bonsoir. How are you? Ça va, t'es lourd le Thierry hein, quand même. Bon Samy, tu travailles. Gérard, devant le micro. On t'entend pas. Salut Gérard. Salut, bon, Samy, tu travailles Samy. Là s'il te plaît. Comment ça va Gérard? Bah c'est pas, on s'en fout. Ah bon, excuse-moi. Gérard, on t'entend pas mal hein. Ouais mais vous commencez à me les gonfler là. Moi je me... Allez, envoie un disque là. Encore? Ah bah attends. Cécile, tu t'appelais pas Nina la semaine dernière? Quoi? Mais putain, mais merde, tu m'as dit ça! Tu peux t'envoyer à quoi, toi? Non, mais moi j'arrête. Tu m'as dit d'envoyer un disque, je t'envoie un disque! Gérard, reste avec nous! Non, non, mais t'envoies une musique là! Oh, tu sais qui. On n'entend plus rien là, hein! Mais qu'est-ce, Gérard, tu t'envoies un disque, putain, il va t'envoyer un disque dans la figure! Bon, Gérard, tu te rassois! Non, non, non! Moi, je veux qu'il y ait Lucine en antenne! Bon, les auditeurs, j'aimerais qu'on se calme un peu, s'il vous plaît! Non, non, moi, j'ai 3h20, moi, on envoie un CD là! T'envoies une musique là, c'est tout, moi, tout le monde se calme! Tiens! Je continue pas! Non, tu t'envoies par là! C'est tout, tu te démerdes! J'envoie là! Là, je lance là! Putain, mais fais pas le con! Un peu plus à gauche! Un peu plus à gauche! À gauche, Filou, à gauche! Où? Voilà! Voilà, stop! Nickel! Donc t'as une préférence pour le disque que j'envoie? Tu mets ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu dis? Allume ton micro quand tu parles. Tu mets ce que tu veux, c'est tout. Et je mets quoi alors? J'en sais rien, tu me donnes même pas de... Non mais attends, tu fais de l'arrière comment? C'est un autre quoi. T'es musclé ou pas? Non mais vous la fermez là. Je suis là. Vous la fermez. Moi je suis de Paris. Vous la fermez. J'ai 24 ans, bientôt 25. Mais écoutez merde. J'ai 25 ans le 15 février. Qui c'est qui dit ça? Le 2 février. Dans le micro, Gérard. Ah, ouais, mais mets pas. Ah, bon, ça, c'est Manu, c'est le 23 janvier, mon anniversaire. Bon, le cadeau, merci. Tout le monde a le bordel, là. Bah, non, y'a pas de bordel. Et hop, tu germes de. Et toi, t'appelles d'où? Moi? Mais non, pas toi. Fun Radio Paris, pourquoi? Qui c'est au standard? C'est Manu, bonjour. Manu. Attends, c'est le débat de Manu ou le débat de Gérard, là? Bon, Manu, tu dégages. Annonce le disque, alors, GG. Attends, mais il y a une troisième. Moi, je comble pour pas qu'il te blanc, Gérard. Manu, je veux Capucine hors antenne. Non, t'auras rien. Moi, je veux Guillaume hors antenne, Manu. Gérard, dans quel état, Gérard? Ton micro. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Eh, Guillaume, tu mets des... Eh, qui c'est qui est au standard, là? Tu mets des jeans moulants, toi? Gérard, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Eh ben, on t'entend très mal. Quoi, non, mais de manière, on va mettre un disque parce que là, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire maintenant. Ah, voilà, on t'entend bien là. Alors, les vaches avec des poils dans tout noir. Allez hop. Sur Minitel, on est 4 connectés, j'avais demandé. 3 maintenant. 3, ben, malheureusement, ben, il y aura plus rien. Donc, vous pouvez encore nous appeler pendant une bonne demi-heure. Encore une bonne petite demi-heure, donc si vous voulez continuer à nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000, vous pouvez toujours nous appeler, il y a Manu qui vous attend. Et en nombre des nanas, s'il vous plaît, merci. Donc on récupère Capucine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir spécialement à Guillaume. Guillaume. Bonsoir à tout le monde et bonsoir spécial à Capucine. Bon, si vous commencez comme ça tous les deux, vous allez dégager tous les deux au standard. Avec grand plaisir. Ça va, Gérard. Alors, allez, avec bonne grand nuit. Plaisir, allez, Capucine et Guillaume, allez, on y va. Comme ça, on reprendra d'autres personnes. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, on reprendra d'autres personnes. Donc, Pierrot. Bonsoir. Rebonsoir. Salut à moi, Rem. Cécile, rebonsoir. Bonsoir. Samy, rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Et Joconde, rebonsoir pour finir. Bonsoir. Alors, donc, on va attaquer la 7e. Alors, bah oui, hein. Ah bah t'as pas répondu à la 6e, Samy? Ben non, pas du tout. Alors, pensez-vous qu'un Gémeaux et un Verseau s'aiment? Ben écoute, Gérard, ça tombe bien parce que moi je suis effectivement Verseau. Mm-hmm. Tu vois? Et je sors actuellement avec une copine qui est Gémeaux. Ouais. Donc ça prouve bien, effectivement, qu'un Gémeaux et un Verseau peuvent sortir ensemble. Ah donc tu reviens sur... Bon ben, je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Donc Cécile, tu vois que ça peut très bien se faire. Ouais, exactement, ouais. Et peut-être que même Cécile est Gémeaux et étant moi Verseau, on pourrait peut-être... Lâche l'affaire. Non, merci, lâche l'affaire comme il dit. Là. Ah d'accord. Donc Pierrot, c'est bon, t'avais répondu? Bah non, mais moi, tu sais, moi je crois pas trop en de l'astrologie, mais moi j'aimerais qu'on parle de loups-garous et des elfes. Non. Pierrot, oui. C'est un thème sur l'astrologie, c'est pas un thème sur ce que tu veux. Ah d'accord, excuse-moi. Donc alors. Tu peux gerber direct, hein. Donc alors, pensez-vous vous branler sur un signe astrologique? Oh! Alors là, elle est trop forte cette question.
C'est toi qui l'as fait, Gégé, la question ? Oui. Moi, je refuse de répondre parce qu'elle est vulgaire. Ouais, attendez, on a le droit, j'ai le droit de mettre ce que je veux dans mes débats. Non, hein. Mais c'est perso, Gérard, là, quand même. Hein. Ouais, alors, on a le droit, hein. Oui, on a le droit de poser la question, mais nous, on n'est pas obligé de répondre. Ouais, mais si. Les nanas ne peuvent pas répondre, hein, parce que ça ne nous concerne pas, ça. Bah, ouais. Peut-être, mais... Bah, tu peux te toucher. Non, voilà. Non, pas pour les filles, hein. Bon, bah, je suis désolé, hein. Il y en a qui se touchent sur des signes astrologiques, hein. Bah, je suis désolé. Mais tu parles de qui, là ? Ouais, bah, Christine ? Non, bah, ça. Excusez-moi, pardon, tout le monde. Excusez-moi. Donc, on accueille Sylvie à la place de Capucine. Bonsoir, Sylvie. Et on accueille Patrick à la place de Guillaume. Bonsoir, Patrick. Non, mais au bout du monde, c'est les mêmes. Tout n'importe quoi. C'est toi, Pierrot. Salut, tout le monde. Salut, moi, c'est Patrick. Hein. Et moi, c'est Sylvie. Salut, Sylvie et Patrick. Bon, donc, je répète la question. Pensez-vous vous branler sur un signe astrologique ? Gérard, est-ce que tu peux répéter la question ? Attends, non, mais attends, Sylvie, tu vas pas commencer. Parce... C'est pas moi. C'est qui veut que je répète encore la question ? Cécile. Ouais, ça fait la troisième fois que je la répète. Bah vas-y, fais-moi plaisir. Pensez-vous vous branler sur un signe astrologique ? Oh oui. Alors, celui ? Bah écoute, ça m'est encore jamais arrivé, mais pourquoi pas ? Mm-hmm. Patrick ? Tes questions sont vachement vulgaires, mais bon, ça me dispensera pas d'y répondre. Non, je pense qu'il y a un fantasme, quand tu te branles, c'est bien réel, et tu fantasmes pas sur tel ou tel signe astrologique, quoi. C'est-à-dire ? Ben, je sais pas, si par exemple, ton idéal féminin, c'est X personnes, et que cette personne est, par exemple, taureau, ouais. Tu vas pas t'amuser en te branlant, en imaginant un taureau dans ta tête. Donc déjà, ta question, elle est vulgaire. Et je pense pas qu'on se branle en pensant à tel ou tel signe, quoi. D'accord. Pierrot ? Je te prendrai nu. Mais ça va, Fildard, mais ça va là ou quoi là ? C'est vrai, Fildard ? Ah ouais, moi j'aimerais bien. Grave. Non, mais c'est bon là, pardon, tous les deux ? C'est bon là, tous les deux ? Pardon. Je vais les calmer. Non, mais ça va là, tous les deux. Les mecs là-haut ? Oh, il doit être mignon, Fildard. Donc Pierrot, je te prendrai nu. Bon Fildar, c'est vrai, t'arrêtes. Fildar, arrête. Bon ok, on peut plus rire ici, c'est quoi, c'est la prison ? Mais attends, je demande à Pierrot qu'il réponde, ouais, s'il te plaît. C'est ça, je me casse. Eh ben casse-toi et puis Manu il va faire le standard. Je vais faire les deux, entre le standard et derrière, il n'y a que 3,50 m. Pierrot ? Oui. Réponds. Donc non, je me suis jamais branlé sur des signes astrologiques. Parle devant ton combiné, Pierrot. Pourtant, t'es un habituel, tu devrais savoir. Oui, c'est vrai. J'ai fait des trucs débiles, genre appeler à tes débats, mais me branler sur les signes astrologiques, jamais. Il y a des limites, quoi. Il y a des Cécile. Cécile. Je te prendrai nu. Putain, Fildard, tu commences à me faire chier, là. Ça m'arrivera un jour. Hein. D'accord. Samy. Mais généralement, Gérard, les filles se branlent pas. Hein. Bah, je peux répondre, s'il vous plaît. Samy, ouais. Bah, non, moi, c'est pareil, ça ne m'est jamais arrivé. Et Joconde, si elle est encore là. Moi, c'est comme la fille, là, Sylvie, ça m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas. D'accord. Ok. Donc, la huitième question. Croyez-vous qu'un signe astrologique vous donne le sexe de votre enfant ? Donc, Joconde. Comment ? Ouais. Je sais pas, je suis stérile. Non, mais attendez. Qui c'est qui a encore pas compris la question ? Tony. Non, mais il y en a c'est une. C'est Internet. Il y en a une qui vient de dire qu'elle avait pas compris, là, non, encore. Non, c'était pas Isa. Bon, ça y est, oui, tous les deux, là, Manu et Sepuldar. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça vous gêne pas de me laisser poser la question et de vous parler ensemble ? Qui a compris la question déjà ? Moi, j'ai pas compris. Je répète. Croyez-vous qu'un signe astrologique vous donne le sexe de l'enfant ? Ah, bah oui. Mais ça dépend à l'époque à laquelle il est. Non. Mais ça n'a rien à voir, hein ? Non, c'est pas possible. Qui ? C'est Patrick. Oui, pourquoi ? C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que dans le ventre de la mère, le sexe de l'enfant est formé avant qu'il naisse. Voilà. C'est le fruit du hasard. De la fressange ? Que ce soit l'un ou l'autre, qui concerne le sexe de l'enfant ou le signe astrologique, c'est le fruit du hasard. Et de toute façon, le sexe de l'enfant est déterminé avant son signe astrologique. D'accord. Sylvie ? Non, mais je suis pas pareil que Patrick. Bah ça m'aurait étonné. Hein. Non, mais attends, à chaque fois que dès quelqu'un dit quelque chose, t'es tout de suite d'accord avec la personne. Comme d'hab. Bah ouais, c'est vrai, comme d'hab. Mais t'inquiète pas, je me doute quitter, toi, Sylvie. Je prends note. Non, mais Gérard, ça veut dire que si les gens n'ont pas le droit de penser pareil, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il faut une opinion différente. D'accord. Attends, Gérard, je suis pas du tout d'accord avec Patrick. D'accord. Ah, si, t'es obligé. Qui ? Bah, c'est Sylvie, puisque tu dis que j'ai pas le droit d'être d'accord avec Patrick. Donc, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec Sylvie quand elle dit qu'elle est pas d'accord avec Patrick. Oh là, non, mais... Moi, je suis pas d'accord avec Tony quand il dit qu'il est pas d'accord avec moi.
Oh là, mais ça y est, vous allez régler vos comptes tout à l'heure en rentaine et puis c'est tout. Bah, voilà. Donc, Pierrot. Je te prendrai nu. Bon, Fildar, s'il te plaît, ça. Bah, pourquoi c'est comme par hasard, ça tombe sur moi. Non, mais Fildar, ça va. Tu peux mettre le single sur quelqu'un d'autre J'ai rien fait, je comprends pas. Bon, alors Pierrot. Attends, j'ai un message d'ailleurs, deux secondes, excusez-moi. Je suis docteur en neuropsychologie et je pense que le dénommé Gérard souffre d'une overdose de résidus cotonneux accumulés par voie anale et déposés dans les cellules régissant la pensée intelligente. Non. On voit donc proscrire. On doit donc proscrire l'utilisation de coton-tige jusqu'à nouvel ordre. C'est ça, eh ben, ils iront se faire foutre. Moi, on m'a demandé un autre truc, Gérard. On m'a dit que les astrologues en Amérique ils mangeaient moins de salade qu'au Pérou. C'est vrai que tu me dis c'est vrai ou faux. Bon, ça, qu'est-ce que t'en penses, Gégé ? Personnellement, j'en ai rien à foutre. Réponds. Nous aussi, on est obligés de répondre à des questions débiles. Ouais, allez, bon, ben, Pierrot, si ça te plaît pas, tu dégages. Allez, salut. Bien joué. Pierrot dehors. Eh, hey, bonne nuit, Pierrot. Alors, salut, Pierrot. Bonne nuit. À quelle heure ? Non. Terminé. Gégé, je réponds. Cécile. Ouais. Donc, en fait, moi, je te dis, tout ça, c'est scientifique. Hein. Dans quel sens ? Ben, dans quel sens que. Dans que tu veux. En fait, la. Le nouveau-né, quand il est dans le ventre de sa maman, ben le sexe est déjà c'est un hasard quoi. C'est ou XX ou XY. D'accord. C'est scientifique quoi. Sur les chromosomes 22, 23. Voilà. Donc Samy. Ben je pense que la fille avant moi a très très bien répondu Gérard parce que c'est vrai on non, peut mais... pas savoir et effectivement. Ouais mais t'as pas le droit d'avoir le même raisonnement qu'elle. Ouais t'as pas le droit. Non mais attends. Non mais je pense non, mais avoir Gérard, répondu correctement Gérard. Ah oh, mais ça y est. Bon ça y est vous allez vous calmer donc Samy. Merci oui. Gérard. Vas-y Samy. Vas-y Sam. Bon Samy tu travailles ou tu dégages? Ah non je veux pas dégager. Bon bah alors tu mais travailles. Je peux t'appeler Sam Samy quand même. Oui si tu veux. D'accord. Ça me fait plaisir. Bon cool. qui c'est qui parle là comme ça? Ça commence à bien faire alors Samy. C'est bizarre. Oui Gérard je t'écoute. Bah, je t'ai posé la question, tu réponds. Ah, mais. Voilà. Bah, vas-y, oncle Sam. Gérard, je voulais répondre, c'est Joconde. Ah oui, Joconde, vas-y, réponds. Mais laissez l'oncle Sam parler. Non. Mais ouais, mais il parle pas, il met 3 heures pour parler. Donc, oh, calme. Je crois que Samy, il a rien dit, là, c'est plus. C'est pas Samy, il a déjà dit, bah merci, c'est gentil. Donc, Joconde. Alors, oncle Sam, est-ce que tu dis quelque chose, là? Bon, Joconde. Oui, ben moi, c'est un truc qui me dépasse complètement, donc je peux pas répondre. Ah bon? Mais pourquoi? Ben je sais pas, c'est la première fois qu'on me pose une question comme ça, c'est il faut vachement y réfléchir à ça, donc moi je peux pas te répondre comme ça en 2 secondes. Bah ouais mais c'est le thème du débat, c'est le thème des débats hein. Ah non. Elle est du ouais, Nord. Bah ben, écoute, moi je dirais que oui c'est possible. Dans quel sens? Ben dans le sens où je sais pas. C'est biologique. Hein? C'est biologique. Ouais voilà c'est biologique. Ok. Ok, ben. Ouais. C'est quand même, ça se sent. Et Gégé, oui. Je voulais te poser une question, ça a une petite parenthèse, quoi. C'est ouais. Qui je voulais, c'est Cécile. Mmh. Je voulais savoir si c'est vrai que t'as joué la doublure de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Mmh. De quoi? Est-ce que t'as joué? C'est un film au cinéma. Non, il a fait la doublure du Titanic, hein, oui, genre. Oui, plutôt, ouais. Attends. Non, la doublure de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Et ça veut dire quoi ça? Non mais c'est. Est-ce que t'as doublé? C'est un acteur. Bon laisse tomber. Alors c'est t'as vu Max il passe pour foutre des sons dans mes Max. Eh tu mets déjà ça. Ah d'accord. Genre est-ce que c'est vrai que tu doubles beaucoup aussi Freddy? Qui c'est qui dit ça? Non mais là c'est plus plausible hein. Ouais mais juste Gérard. Pour les fesses. Gérard. Ouais. Bah c'est Sandy qui doit être contente alors. Bon alors Patrick tu dégages. C'est pas moi. Non. C'est pas moi. Si j'ai reconnu ta voix Patrick. Non c'est pas moi, c'était Tony. Non. Non, je te jure, c'est pas moi. Bon, moi, de toute manière, vous allez arrêter vos conneries parce que sinon, le débat, il est terminé. Ah non, mais vas-y, reprends Gérard. Donc, alors, Cécile, oui, je te préviens, je réponds pas sur attends, la Gérard, question. Attends, Gérard, avant de reprendre, on va accueillir Jeannot, quand même. À la place de bonsoir, Pierre. Jeannot. Bah ouais. Bonsoir, Jeannot. À la place de Pierrot, bonsoir. Salut, Jeannot. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Même pas. C'est le même. Déjà, je peux répondre à la question. Vas-y. Alors. C'est qui? Ouais, tu peux me la répéter, s'il te plaît? Non, mais c'est bon, tu l'as déjà vu, hein. T'as déjà répondu, alors. Ah bon, bah c'est bon, alors. Donc, j'avais pour ceux qui n'ont pas vu Titanic, Leonardo DiCaprio, il meurt congelé à la fin. Qui c'est qui dit ça? Oh putain, c'est dégueulasse! Ouais. C'est dégoûtant! Ah merci, je vais le voir demain soir, moi. Tu me laisses aller, Patrick. Ok. Bon, Fildar, s'il te plaît. Oui. Tu te calmes là, ou j'arrête? Bah j'arrête alors. Je réalise pas. C'est con, hein, un diamant. Ouais, mais un diamant, bon. Parce que c'est le diamant qui appartenait à Louis XIII. Louis XVI. XVI. Donc
qu'elle l'envoie dans la mer. Ouais, oh, 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 même, c'est un bon Manu, fil. S'il te plaît. La vieille a 101 ans quand même, ça le fait pas. Manu, hein. S'il te plaît. Manu, oui, pardon. Tu me les calmes là, ils ont pas besoin de se parler entre eux. Donc, bah, tu m'as pas dit où les mettre, hein. Moi je les ai mis à l'antenne. Non, mais... Tu te rends compte, la débauche d'effets spéciaux quand même. Bon, allez, terminez-moi, je fais. Ouais. Bah, non, Gérard, on continue le débat, puis si t'es gentil, on mettra un remix. Ah. Non, mais toi, déjà, tu vas te calmer. Non, puis attends. Mais t'arrêtes. Tu prends ton chapeau dans ta gueule, là. Non, non, la console, ouais. Gérard. Attends, il y a du matos, là. Le bouquin, ce que tu veux, mais pas le café, quoi. Bon. OM2GG. Bon, alors, Patrick, c'est. Oh, oh, tu me le bires, là, je le veux plus. C'est pas moi. Oh, qu'est-ce que tu fous? Non, non, tu le bires, là. Tu le veux. Mais attends, Olive, il m'a dit, si je mettais pas mal d'effets, il me filait 500 balles. Alors, moi, je le fais. Tu dégages. J'en ai rien à foutre. Allez, hop. Va voir, dans les studios, c'est plus ok. Gégé, vas-y, pose ta question. Putain, fais gaffe. Vas-y, alors, allez, Gérard. Continue, Gérard. Oh, tu me laisses du son, là, ou quoi? Merde. Quoi, la merde? Mais quoi? Il n'y a pas de retour. Oh, c'est Fildor qui fout la merde. Ouais. Mais pourquoi vous foutez des stagiaires? J'ai rien fait. Mais c'est quoi, ce bordel? J'ai même plus de son. C'est pas grave, Gérard. T'as une belle voix, en tout cas. Ah, c'était là. C'est Samy, tu m'entends? Dark, bah quoi, c'est pas de ma faute. Gégé, tu nous entends? Bon, alors j'en pose la neuvième et dernière question. Manu! Non, mais attends, moi ces deux-là, ça va aller vite, ça gerbe. Bon, Patrick, Jeannot, dégagé. Arrêtez de casser le suspense. Bon, allez hop. Ça fait du comment, Starship Troopers? Ben, je sais pas. Justement, sinon je l'aurais dit. Merci. Ah, bah ouais, ça aurait été cool. Oh non, attends! Non, bah non, vous êtes nuls parce que Gérard il avait prévu un truc à la fin, un truc sympa que je lui ai demandé de préparer. Vas-y, on est là, on t'écoute. Oh, comme d'habitude, tout ça le jour où tu feras le jour, je te le dirai d'ailleurs. C'est pour ça que moi aussi j'avais envie de t'aider, mais finalement j'ai pas le temps. Je le ferai la semaine prochaine, peut-être. Je commencerai quand t'auras décidé de travailler. Allez, vous deux, attendez avant qu'on reprenne. Et toi, tu vas pas continuer, sinon ça va être le cas. Mais qu'est-ce que je fais là? Attention, réunion antenne des Badiras. Le matos, tout le monde se calme. Le matos, Gérard. Alors, il va arrêter ses doubles sons. Allons-y, Gérard. Eux deux, vous arrêtez de vous parler avec les micros allumés. Ça vaudra mieux. On n'était pas en tollback ? Oui. Alors, neuvième question. Avez-vous des rapports avec d'autres signes astrologiques ? Putain, mais attends, tu dis rien quand c'est Max qui met les voix. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je... Alors, comme si c'était moi. Mais c'est quoi cette voix, Gérard ? Bon, bah, réponds, Cécile. Bah réponds-toi, Cécile, je trouve que t'as toujours des raisonnements assez intéressants. Ah qui ouais ah, qui dit ça? C'est Patrick. Non, mais il m'avait semblé de vous demander de dégager, vous. Je les ai calmés, Gérard. Alors, j'en repose la question, et c'est moi qui vais décider par qui je commencerai, d'accord? Mm-hmm. Donc, avez-vous des rapports avec d'autres signes astrologiques, Sylvie? Sylvie! Eh putain, mais c'est quoi, là? Il n'y a pas d'air. Mais je l'ai. Hey, Fildar, tu commences à me casser les couilles, mais sérieusement. Non, non, dis pas ça, on dit pas ça. Hein? Sérieusement. Ah, il rigole plus, là. Bah, c'est bon, excuse-moi. C'est sérieux. Oh, ta gueule, Tony. Alors, Sylvie. Bon, mais moi, là, j'ai rien fait, mais je suis là, regarde. Non, mais attends, il y a personne. Mais si, ils sont là, regarde. Oh, le bordel. On est là. Bon, tu m'écoutes. Mais c'est tous les jeudis, hein. Tout le monde est là. C'est Sylvie, tu m'écoutes. Tout le monde est là. Je t'écoute. Bon. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations avec des personnes qui ont un signe astrologique différent. Ça s'est très bien passé. Non, voilà. Mais ça va là, tous les deux au standard, Henri comme Manu. Désolé, la petite vague grise. Vous vous faites pas chier. Gérard, tu m'entends? Bon, à vrai dire un peu. Hein. On a eu un peu là. Eh, mais non. Ça commence à me faire maintenant. Ah, mais quelle merde. Tu t'es cinglé ou quoi là? Le bleu, il cartonne. Hein. Bon, allez, moi j'arrête. Mais non, on n'est pas cinglé, on fait de l'audience. Non, mais attends, mais c'est quoi là ce bordel? Dégagez tous les deux. Mais quoi? Dégage. Mais quoi? Dégage. Allez, dégagez là. C'est un bon film comme ça. Allez, hop. Allez, hey, putain, et quand c'est lui, tu dis rien, quoi. Allez, on se casse. Allez, hop, dégage. Allez, tout le monde dans le couloir. Bon doublage aussi. Hein. Oh, quel joli. C'est cher ami Jacob. Et Gégé, on répond. Tu nous écoutes? Gérard, es-tu là? Non, mais attendez. Putain. Ah, mais il était complet, il s'endort, là. C'est quoi ce problème, là? C'est toi qui a la télé allumée? Eh, franchement, le faire face, ça handicape tout le monde.
En parlant d'handicap, tu peux pas deviner que dans les années. C'est rare. C'est impossible. C'est rare. Donc, on reprend. Oui, c'est rare, c'est Sylvie. Donc, Sylvie. Oui. Donc, je disais que ça m'était déjà arrivé d'avoir des relations avec des signes astrologiques différents. Et ça s'était très bien passé, et notamment avec un lion. Mmh. Et les Verseaux. Pas spécialement. Non, mais Sylvie. Dépendant, les c'est dommage, je peux essayer. Ah, c'est Patrick, je peux répondre. Gérard, c'est Patrick, je peux répondre ? Bien non, sûr. Mais à Sylvie ! Oui ? Elle a répondu, j'ai répondu Gérard. Hein. Donc Patrick ? Oui, donc moi je vais te dire, j'ai fait l'amour avec les 12 signes différents. Mmh. Et à chaque fois, je trouvais pas que c'était exceptionnel, sauf pour le taureau, mais bon. Ah, les bites de taureau. Hein. Mais. bon, tu vois, je pense pas que le fait d'être avec un partenaire différent de ton signe. Soit vraiment, influe vraiment sur la relation que tu vas avoir avec ton partenaire. Est-ce que vous nous entendez là? Voilà, allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Oh là 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 là. Allô, est-ce que c'est Samy? Est-ce que je peux répondre? Non, attendez, est-ce que vous nous entendez bien tous là? Non. Vous entendez Gérard ou pas? Non. Bon, on va prendre dans l'ordre. Moi c'est Manu, vous m'entendez? Oui. Vas-y, Gérard, parle pour voir si moi c'est Fida, vous m'entendez? Oui. Moi c'est Rigo, vous m'entendez? Oui, Rigo, je t'aime. Merci. Vous entendez Gérard? Ah non, on l'a. Gérard, parle. Non. C'est ça qu'il fallait dire. Patrick. Je l'entends là. Ah, Patrick, ouais, tu réponds. Bon, Fildar, t'arrêtes s'il te plaît maintenant. Mais qu'est-ce que je fais? Non, t'arrêtes. Tu t'amuses pas avec le micro parce que là, ça commence à me gonfler. Je sais, on répond. Donc, Patrick, tu réponds. Je viens de répondre. Non, ben continue. Donc, Jeannot. Ouais, il est parti. Je suis là. Bon, alors, tu réponds. Alors, pour répondre. Moi, je fais l'amour seulement de. Pas plus fort. De mon signe. Je fais seulement l'amour à mon signe. Ah, moi aussi. Cécile. Et écoute, moi, comme je t'ai dit, ça dépend de tes des affinités avec les. C'est plutôt une histoire d'onde. Hein. C'est électrique tout ça. Samy. Bah, moi, Gérard, je suis Verseau comme. Et je ne fais l'amour qu'avec des femmes Verseau. C'est pas bon ça. Non. Ah bon, et pourquoi? Non, parce qu'il faut toujours avoir un signe opposé à l'autre. Mais non, pas du tout. Moi, complète par leur opposition. Moi, je suis Verseau, je sais comment les Verseaux réagissent, donc je fais l'amour avec des Verseaux. Je peux répondre, non, c'est pas possible. J'entends. C'est tout à fait possible. Oui, c'est moi, mais je peux. Là. Si je drague une fille en boîte de nuit, par exemple, où je fais la connaissance d'une fille, si elle m'apprend qu'elle est un Verseau. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Baby, c'est intéressant, raconte-nous cette histoire. Bon, regarde l'autre là-bas, là, il joue à quoi là? Non, mais ça va, tu coupes tout le monde quand il parle. J'ai essayé de draguer une autre personne. Joconde, s'il te plaît. Devant ton micro, Gérard, merci. Je peux pas parler, je suis désolé là. Non, mais il faut bon, Samy, tu t'écrases! Bon, les conclusions! Mais les mecs, taisez-vous, c'est Joconde! Non, mais attends, c'est quoi là ce bordel? Ah, on m'entend bien, GG, c'est Joconde! Je t'écoute! Moi, j'ai fait l'amour avec plein de signes différents, mais les mieux, c'est les lions et les balances. Et les Verseaux! Et les sagittaires! Non! Oh merde! Bon, alors, dernière question! Oh non! Vas-y, GG. Croyez-vous à l'horoscope chinois, périlleux de Brest ou sur les magazines? Disons, en fin de compte, c'est croyez-vous à l'astrologie? Comment, GG? Il y a quelqu'un? Ouais. T'as failli casser le scandale, là, Gérard. Vite, ça va pas, non, non. Oui. Oh putain, je crois qu'il faudra tourner un film dans les studios de Fun. Je suis en train de faire. J'ai pas entendu. Tu fais pas une fixation sur les lions, des fois? Non, mais Fildar. C'est pas possible. Mais quoi? T'as merde ou quoi, là? Ah, excuse-moi, j'étais en train de lire un truc. Eh, Fildar, il est quel signe? Puceau. Croyez-vous à l'astrologie chinoise ou sur les magazines, Sylvie? Non mais, je sais pas, tu peux répéter? Ouais, je réponds à sa place. Bah pourquoi donc il y a droit? Non, il n'y a pas que tu réponds à sa place, Cécile, c'est moi qui commande. Bah oui, tout à fait, vas-y, je la recommande. Alors, croyez-vous à l'astrologie chinoise ou sur les magazines? Alors, astrologie chinoise, écoute, je me suis jamais renseignée, donc je sais pas du tout. Et sur les magazines, spécialement, ça m'amuse plus qu'autre chose. C'est le 23 janvier, c'est mon anniversaire le 23 janvier. Le 23 janvier? Donc t'es Capricorne?
Je suis verso. Gênez-vous pas tous les deux. Ouais, les versos, c'est les meilleurs. Manu. Oui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Toi, tu mets ton micro. Merci. Quoi, ils me chantaient mon anniversaire. Et m'a dit d'éteindre l'insert des auditeurs. Ouais, mais c'est aujourd'hui mon anniversaire. Non, tu laisses les auditeurs et t'es joyeux anniversaire, Manu. Ah, c'est l'inverse. Joyeux anniversaire, Manu. Allez, hop. Merci. Tu fais quel âge, Manu? 20 ans. Ouais. Allez, conclusion. Grave, attention. Conclusion. Non, mais c'est on peut répondre. On n'a pas répondu à la question. Gérard, j'ai pas répondu, moi. Moi non plus, j'ai pas répondu. Bon, je réponds, c'est Cécile. Alors, dépêche-toi. Alors, écoute, qu'est-ce que j'allais te dire? Bah, écoute, je sais plus ce que j'allais dire, Jojo, tu m'as troublé là. Oui, c'est une chinoise. T'as des ondes positives sur moi. Hein? Croyez-vous à l'astrologie chinoise ou sur les magazines? Je crois en l'astrologie dans les magazines, GG. D'accord. Parce que Jean Conde. Moi, j'y crois quand ça m'arrange, quand je vais bien. Ouais, voilà, exactement. J'ai pas la peine de le lire, mais quand ça va pas, je me sens obligée de le lire pour que ça me redonne du punch. Samy. Bah moi, Gérard, j'écoute mon horoscope qu'à la radio. Il n'y a que celui-là qui est vrai. Les autres, c'est tous des faux. Ah, oh, l'autre. Si, c'est vrai, hein. Patrick, ah bah c'est cool, un marabout qui m'a dit Gérard, je peux y aller. Mmh. Donc j'ai pas terminé, s'il te plaît. Non mais tu permets. De toute façon, vous allez tous terminer. Après Gérard, il veut demander chacun votre tour, votre signe, et puis il va vous donner votre astrologie. Merci. Super. Gérard, c'est Patrick qui vient. Non, Patrick, c'est Samy. Je peux terminer. Attends, Gérard m'a dit que je devais répondre. Bon, l'oncle Sam va. Avec les lumières. Merci, l'oncle Sam. Gérard, je voudrais savoir ton marabout. Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait gagner la Coupe du Monde? Et l'autre Samy. Oh là on entend la conversation. C'est passionnant ce qui peut se passer dans. Qu'est-ce qui se passe, Gérard, avec le standard? Ou les amis. Non, mais attends. Oh, oh non, pas le Brésil. Le retour de Dark Gérard. Bon. Dark Vador. Comment Dark Vador est de retour. Je sens que tu t'amuses avec les boutons. Mais pourquoi je te vois qui lui font. J'en ai pas de boutons, regarde, j'ai une peau de bébé. Oh là là. Mais ça. Et t'as quoi? Il y en a un qui a un poil ou quoi dans le studio? Celui-là, ok, ça y fait. Merci. Fais gaffe, c'est une peau de bébé. Fais gaffe. C'est une tarte au poil, hein, fais gaffe. T'as touché quelque chose de bizarre. Regarde, Gérard. Donc, Jeannot. Gérard. Gérard. Non, c'est pour toi. Bon, tu sais que j'ai Fun TV. Oh, Jeannot, tu réponds à la dernière question, s'il te plaît. Ouais, moi, je crois pas en toutes ces conneries. Là. D'accord. Bah, si tu crois pas, fais-le gerber, Gérard. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Bonne nuit, Jeannot. Voilà, bonne nuit, Gérard. Gérard. Patrick. Oui, donc, moi, déjà, à la base, je ne crois pas aux horoscopes des magazines. Donc il me serait très difficile de croire en l'horoscope chinois. Mais vu que je n'ai aucune notion de l'horoscope chinois en lui-même, je peux pas trop m'étendre sur cette question. Il faut écouter l'horoscope en chinois à la radio, il n'y a que ça qui est vrai. Ouais, exactement. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Samy. Alors Sylvie? Oui. Donc et toi? Et moi, mais j'ai déjà répondu Gérard. Donc tout le monde a répondu? Ouais. Bon, alors maintenant ceux qui croient, qui sont là, donc Patrick il est calmé et tu vas me le calmer s'il veut pas son signe astrologique, on lui dira au revoir tout de suite. Mais si, mon signe astrologique c'est Lyon, Gérard. Bon bah alors on accueille Jaco. Ouais, au revoir, j'y crois dur comme fer à l'astrologie. J'y crois dur. Gégé ? Oui. Je voulais poser une question. J'y crois. C'est Cécile. Ou j'y crois pas. Non mais pour l'instant vous laissez poser Cécile une question. Merci. Cécile, je voulais savoir, Gégé. Non mais c'est une petite parenthèse. Est-ce que t'as une peau de bébé, Gégé ? Oui. J'adore les mecs qui ont des peaux de bébé. Elle est douce ta peau, Gégé ? Bon, ça y est, terminé. Je n'ai pas entendu la réponse. Bah, je t'ai dit oui. Samy, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que t'as la peau? Non, mais attendez, douce, je. Pas tous en même temps, merci. Gégé, est-ce que tu as la peau douce? Oui, je viens de te dire. Oui, mais moi, ça concerne le débat quand même, hein. Oui, alors vas-y. Je voulais savoir si t'avais déjà été voir un marabout. Non. Pourquoi? T'en as peur ou. Non, mais même. Marabout de ficelle. Bon, qui c'est qui parle là derrière? Celle de cheval. Non, mais c'est quand même une question sérieuse. Alors, celui qui déconne derrière, il va gerber. Hein. Non, mais Manu, ça te dérange pas? Non, je croyais qu'on était parti sur les jeux de mots. Donc, Marabouillabaisse aussi. Maraboutique, maraboutien. Ça te dérange pas maintenant? Bon, alors, Sylvie, ton signe astrologique. Je te prendrai nu. Bon, fil d'art, s'il te plaît. Laissez-le faire le signe. Bon, et vous arrêtez maintenant. Gérard, tu m'as pas répondu. Allez, rapide, on a plus de 10 minutes. Allez, hop. Il me reste 8 minutes, ça va aller vite. Donc, au fur et à mesure, je vous donne. Maintenant. Vas-y. Donc, vas-y, alors, Sylvie. Non, mais. Chacun votre tour, tu les mets tous en antenne et voilà. En air. Alors Sylvie. Sylvie. C'est parti. Taureau, j'ai dit. Alors, taureau. Alors, en amour. Hein. Putain, je vais.
Alors, les relations actives natives du début du signe s'améliorent, les conflits s'apaisent. Mais attention, une nouvelle crise n'est pas impossible. Dans peu de temps, il faut donc s'efforcer de comprendre l'autre. Un voyage pourrait être idéal pour retrouver la sincérité. Oui. Non, non, bah c'est bien parce que je vais partir en voyage, donc c'est parfait. D'accord. Gérard, il sait des trucs. Hein. Donc, travail, argent, pour continuer. Ça, c'était l'amour, hein. Donc, du bon et du mauvais sont programmés dans ce secteur. Certes, la carrière, les projets ne sont pas très favorables en ce moment. Ouais. Mais le troisième décan pourrait conclure un bon arrangement financier. S'ils savent agir dans la discrétion, les natifs du deuxième décan assurent leurs arrières. Eh ben, c'est exactement ça. Bravo, Gérard. Ok. Et santé, détente impératif. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, ça fait 500 balles, hein, Sylvie. Ouais. Donc, Sylvie, qu'est-ce que t'as pensé du débat? En même temps, je fais la conclusion. Eh ben, je trouve que ça a été très sympa. Mm-hmm. Franchement, c'est un des débats que j'ai préféré. Tout le monde était super sympa et tout. Et je trouve que tu t'es un petit peu calmée. Ok. Voilà. Ok, je te remercie. Mais merci à toi. Ok, allez, à la prochaine. Salut. Alors, Patrick, maintenant. Lyon. Alors, les lions. Alors, entre étape... Bon, Pildar, s'il te plaît, là, c'est pas déconne, t'arrêtes un peu, maintenant. Vas-y, Gérard, je t'écoute. Donc, alors, étape sentimentale importante pour les natifs du début du deuxième décan. Certains pourraient prendre la décision d'une vie en commun, si ce n'est d'un mariage, début des signes. D'une façon ou d'une autre, le partenaire actif semble lointain, indifférent, on se sent seul. Donc, bon passage professionnel pour le troisième décan. Ses idées sont bien accueillis. Il peut faire équipe, quelques freins sur les lieux du travail pour le deuxième décan. Rien de grave, les associés l'aident concrétiser et stabiliser ses projets, sa carrière. Et pour ta santé, éviter les efforts physiques. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du débat? Ce que j'ai pensé du débat, c'était très instructif. On a pu échanger pas mal d'opinions puisque les protagonistes du débat ont de très bons raisonnements les uns comme les autres et je trouvais que c'était l'un de tes meilleurs débats. D'accord. Ok, je te remercie. Allez, ouais. À la prochaine. Ok. À la semaine prochaine. Ouais. Cécile. Eh, vous me mettez Cécile. Manu, putain. Allez, hein. Cécile. Je suis poisson. Le calme règne dans l'université sentimentale et certains ne s'en plaindront pas. Ils se reposent peut-être du récent climat un peu trop passionné à leur goût. Merci pour celui qui s'est mis à péter. Gérard, mais... j'ai rien compris. Ouais, ben, je t'inquiète pas non plus. Gérard, tu peux répéter parce que j'ai pas suivi. Ouais, non, mais attends, il me reste 4 minutes et il y a encore. Vas-y, moi j'ai besoin que de l'amour, c'est tout, ne me dis rien d'autre. Alors, se protéger du froid, voilà. Non, j'ai dit amour, Gérard, j'ai pas dit santé. Eh ben, je viens de te le dire. Se repose peut-être d'un récent climat un peu trop passionné à leur goût. Les amis sont le refuge des natifs du deuxième décan, mais attention de ne pas mêler argent et amitié. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du débat? Bah, écoute, j'ai pensé du débat, c'était bien, je me suis bien amusée. Et puis, comme toujours, Manu, c'est le meilleur et Gérard, c'est le meilleur. Merci Gérard, beaucoup. Un peu moins, mais bon, c'est bon, quoi. Ok, bah, tu vas revoir. 23 janvier, mon anniversaire aujourd'hui, hein, merci. Et je vous embrasse, joyeux anniversaire, Manu. Ok. Merci Samy. Beaucoup, hein, aujourd'hui. Bon, on a compris, Manu, c'est bon. Samy, je suis Verseau, Gérard. Alors, Verseau. Verseau solitaire. Oui, tout à fait. Ouf. Ce soir. Salut, Verseau. Ouf, dans un climat sentimental plus serein que le natif du premier décan, aborde l'année nouvelle. Attention, ce déchaînement de passion pourrait de nouveau se déclarer d'ici à quelques semaines. Tous les signes évoluent à l'aise dans son environnement. Oh, c'est ma passion pour toi, Gérard. Les natifs du troisième décan continuent sur leur lancée vers leur réussite et les succès. Un accord professionnel pourrait concrétiser cette tendance très dynamique. Bah,
Le deuxième décan sait très bien canaliser cette énergie. Il a même progressé vers les buts. Et tous les signes, c'est en forme. Ah bah c'est bien. Voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé du débat ? Ah très bien Gérard, un très bon débat, un très bon sujet. Mmh. Je voulais juste te demander, savoir dans ton horoscope, donc qui va gagner la Coupe du Monde de football ? Ah là je sais pas. Tu peux pas me le dire ? Non parce que je suis pas amateur de foot. Ah mais c'est pas marqué dans l'horoscope ? Non. C'est un horoscope qui vient d'où ? D'un magazine. D'un magazine télé. Hein, donc, ah, c'est un magazine télé. Si tu veux le retrouver, hein, tu sais où tu vas. Hein. Ah d'accord. Donc voilà, Samy, je te souhaite une bonne nuit. Bonne soirée. Mmh. Et puis, félicitations pour tes sujets. Et à la semaine prochaine. Ok. Joconde. Moi, je suis Verseau, donc je viens d'entendre. Ouais. Et donc, voilà. Bah, ok. Bah, je suis désolé. C'est pas grave, t'as qu'à dire que t'es balance. Conclusion du débat, quand même. Et toi, Gérard, non, mais... toi. Attendez. Voilà, chacun son tour. Joconde, conclusion, toi, pour toi. Ben, moi, j'ai trouvé ce débat excellent. Je trouve qu'il y avait une super ambiance. Bon, des fois, un peu le bordel avec le standard, quoi. Mm-hmm. Mais je l'ai trouvé super ce soir. C'est peut-être Sandy qui t'a rendu comme ça, mais j'espère qu'il y aura plein de débats qui se passeront aussi bien. Ok, je te remercie. De rien. Au revoir. Ciao. Ciao. Jaco. Oui, Madame Irma, donc je suis Sagittaire. Je vais trouver du taf. Ben, attends, je vais te le dire. Vas-y. Alors, Sagittaire, c'est encore l'environnement proche très aimé qui permet à l'ensemble des signes de s'épanouir. On y est populaire et on joue les leaders. Le tout début du premier décan séduit. Les natifs du deuxième décan s'établissent solidement dans leurs liens actifs. Travail et argent, les contacts, entretiens, cours, voyages sont toujours au programme. Est très, très favorable. Les études et les stages permettent des succès. Les natifs du troisième décan pourraient signer un accord, un contrat qui renflouerait leurs finances. Deuxième décan. Une deuxième. Attends, excuse-moi Gérard, c'est quoi cette histoire de décan ? Ben, c'est des décans, ça dépend de des où aussi ? Décan et d'où ? Ça dépend du. Comment aussi, je crois. Bon, non, mais attends, Manu, s'il te plaît. Mais quand, c'est pas une ville, Gérard, c'était au départ ? C'était pour expliquer. Non, décan, ça dépend. Si, de quand ? Mais non. Les rillettes de Caen, par exemple. Mais non, des moutardes de Dijon. Ouais, mais c'est bon, Bart. Les saucisses de Strasbourg. Si tu veux, je te laisse finir comme ça. Non, t'arrêtes les embrouilles, Bart, c'est bon. Toi, tu te tais, merci. Pardon, excusez-moi. J'aimerais qu'ils me répondent sérieusement quand même. Parce que non, mais deuxième décan. C'est important pour l'avenir quand même. Ouais, mais deuxième décan, ça dépend déjà de quel mois que t'es. Ouais, et le mois de décembre. Décembre, ouais, mais quel mois, quel jour ? Premier décembre, bon, bah c'est ça, c'est le premier décan, à mon avis. Ah, premier décan. Donc, voilà Tony, bonne nuit. Voilà, et puis pour la santé, que je termine, ouais. Deuxième décan, fatigue, voilà. Fatigue ? Oui. Je pourrais participer quand même la semaine prochaine, même si je suis fatigué. Non, si t'es fatigué, tu participeras pas. Bon, bah j'aurai la pêche alors. Ouais, bah j'espère. Bon, bah je voulais te souhaiter une bonne soirée quand même. Mmh. Puis peut-être demain à la loco. Non, bah j'y vais pas, malheureusement. Ouais, j'irai moi. Ben, c'est bien. Donc, ben, sur ce, le deuxième débat, c'est bien passé, hein, quand même. Non, c'était super bien ce soir. C'était bien sympa, on s'est bien marré. C'était un peu le bordel avec. Non, c'était bien. Oh, non, c'était il y a bien. Même un moment, t'as été beau. Oh la vache. Sérieux, je dis pas des trucs comme ça, Donc voilà, donc vous allez retrouver la nuit sans pub avec Bard et puis les fun embrouilles. Non, c'est fini ça, Gérard. Et puis je non, il n'embrouille plus personne. Je vous retrouverai peut-être la semaine prochaine si ça s'est calmé avec ce que j'ai dit en début d'émission. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis on se quitte avec quoi ? On se quitte avec un remix, et puis c'est tout. Même pas. Vas-y. 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 Vas-y.